ce jour, une des meilleures animations que j'ai vues. On est qualitatif. Bonsoir à tous. Bah non, oui, peut-être. Parce que si j'étais dans ma team, on va gagner. Non. Voilà, c'était important de le préciser. Du coup. Ils sont tous là, ils sont tous présents sur Discord. Et attention, j'active le Discord. Incroyable. Ah putain, ils m'entendent pas sur Discord. C'est bien, tout fonctionne parfaitement, exactement comme je l'ai rêvé. 1-2-1-2, voilà, très bien. Alors, on lance, ça marche. Ok, super. Incroyable. Brave Jean, j'ai la bonne nouvelle à nous annoncer. Nous sommes à 1 960 000 abonnés sur YouTube. Il y en a eu 4000 à ce jour, une des meilleures animations que j'ai vues. On est qualitatif. Bonsoir à tous. Peut-être que je vais peut-être atteindre le fameux chiffre des 2 millions et enfin retourner au paradis. Puisque je n'existe pas, hein, je suis pas un vrai être humain, hein, j'ai été invoqué par le Fanta. Voilà, hein, je suis un Mr. Mysix. Sauf moi, je suis un Mister 2 millions, si tu veux. Chaque seconde est une souffrance que vous n'imaginez pas. Chaque seconde passée ici est une souffrance que vous ne pouvez pas imaginer, que seul Donald Trump est capable de soulager pendant quelques secondes. Voilà, il faut le savoir. Il faut le savoir. À 2 millions pile, je disparais, si tu veux. Je fais une Tidus. Voilà. Je fais une Tidus. On aime te voir souffrir, Gab, évidemment. Évidemment. C'est évident. C'est à ça que sert l'inhalateur. Tout à fait, il y a une culotte de Melania Trump à l'intérieur qui a été bouillie, si tu veux. Je me sens Hollywood. Oh, c'est dégueulasse, j'aurais pas à faire des vannes comme ça. Oh putain, Mineral Contest. Attendez, ça marche. Son jeu à la con, il marche. Attendez. Attendez. Déjà, est-ce qu'on peut rendre de la couleur à ça? Parce qu'après, il me pique les images pour son best-of. Mais moi, je veux mettre un petit watermark bien dégueulasse. Histoire qu'il puisse pas se la jouer. Ouais, t'as vu. T'as vu, on est trop pro.
Déjà que dans ces best-of, c'est honteux quand il met ma webcam et que je suis immonde. Alors, pas immonde, parce que non, il n'y a absolument rien de mal, les enfants, à être attirés par moi, je vous l'accorde. Ou par Atomium, si tu veux, c'est un fait. Mais, cependant, braves gens, c'est bien d'avoir un plan webcam dégueulasse, absolument pas pro, absolument pas parisien, avec des fonds blancs, des chaises Razer et tout. Nous, chez nous, c'est comfy. Il y a encore deux cartons remplis de statuettes Hatsune Miku, si tu veux, que j'ai pas pu déballer, et de Kenshiro, que j'ai pas pu déballer parce que j'ai pas la place. Il y a des portraits nuls, il y a la boisson, il y a la caisse du chat et la moumoute en faux peau de loup, qui habille, essentiel, si tu veux, absolument essentiel. Comment voulez-vous être un streamer professionnel sans moumoute en peau de loup? Des gens ont été bannis de Twitch pour moins que ça. Des gens se sont fait bannir de Twitch pour cette cosplay en Chun-Li. Moi, j'ai pas de moumoute en peau de loup. Le ban, il est instantané. C'est à... Vous voyez pas venir, c'est à... Paix ! Abattre. Super, ça marche. Vous voyez, le dernier serveur ajouté, c'est Adieu Fanfan. Hein. C'est pour dire à quel point le Lennon s'est remis à Minecraft depuis. Oh là là, oh là là, oh là là. Oh là là, mais c'est Fire Emblem Treehouse. Ok, très bien, on va commencer. Lynx et Uber, qui fait des duets? Est-ce qu'on peut avoir des duets? Est-ce qu'on peut avoir des duets et automatiquement gagner, en fait? C'est automatique. Tu joues des duets, t'as automatiquement gagné la game. Y a pas de mystère. Allô, allô? Pourquoi y'a Fuse 3? Aucune idée. Allô? Ouais. Allô, allô? Y'a Fuse, il est là, il est beau. Fuse 3, c'est pour ça. Non, mais si, il est là. Hein. C'est un cosmonaute, il est bien cosplayé. Ouais, bah ouais. C'est valide. Dans l'espace. Bon, du coup, on est les deux seuls à peu près en avance. Tout le monde est là. Ils ont dû sans doute lancer leur live et doivent se baigner dans l'argent des OPSP, ouais, de YouTube. Tout le monde live. C'est ça. Squeezie, je vois. T'es en stream aussi ou pas? Oui, bien sûr. Mais évidemment, attends, je vais pas rater l'occasion de gagner de l'argent. Oui. S'il te plaît. L'argent des subs. Ouais, c'est ça. Comment allez-vous? Très, très bien. Très bien. Bah voilà, il est là, il est beau. Il m'invoque du fin fond de la maladie, l'enfoiré. Eh hey mec, moi aussi, frère de maladie, j'en peux plus, mec. Est-ce que t'as le nez plein, toi aussi, ou tu sais, t'arrives pas à te moucher, c'est ultra chiant. J'étais dans ton cas jusqu'à à peu près 17h. À 17h, je sais pas pourquoi, ça s'est débouché d'un coup, quoi. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai utilisé ta technique de prendre une douche pour me sentir mieux, mais comme d'habitude, je me sens plus mouillé qu'avance, tout. C'est pas... Arrête, tu m'as une rendu, bonne douche fraîche avant la live, y'a rien de beau, ça. Humide, et c'est tout ce que t'as fait. C'est pour ça, c'est valide. Et je regarde le truc, et en fait... Au fond... Vas-y. Oui, vas-y. Ouais. Non, je disais, je regarde le truc, ça la map, et, toute la soirée. Et c'est Fire Emblem Free Houses. Hein. Voilà. Ah, merci. oui, ok. Bah, c'est les mêmes couleurs. Fuse 3, bienvenue. Merci d'être là ce soir, Fuse, c'est trop cool. Première fois, et bonne fois pour toi, vu que t'es un peu dans ton élément sur Minecraft. Ah bah ouais, mon élément, mais bon, tu vois, genre, je suis un peu connu pour être éclaté, quoi, donc... Mais non, je pencherai à votre niveau peut-être. Vu que personne n'est plus éclaté que Dwagby et Squeezie ce soir. Tu le sais très bien. Je team avec Dwag. Tu sais que j'ai. Oh la vache. Bah en fait, alors mine de rien, c'est assez équilibré. En dehors du fait que Link et Terra. Ouais, mais en vrai, Link et Terra vont avoir un petit avantage parce qu'ils ont beaucoup poncé le jeu dernièrement. Quoi? Ouais. Ah bah ils ont suivi PewDiePie. Enfin je veux dire Squeezie forcément. Bonsoir. Ils ont suivi les tendances. Bonsoir. Ouais mais t'as dit là. Oui mais Link et Terra, j'ai vu toutes vos heures de live, toute votre passion pour Minecraft de ces dernières semaines. Et il est vrai que c'est peut-être aussi pour ça que j'ai pensé à vous ce soir pour venir jouer. Il est vrai. En fait il y a juste Terracid qui a une giga chatte. Donc on va tout jouer sur le minerai mon petit, tu vois. Ah ouais, Terra, tu trouves du diamant un peu beaucoup? Je suis hyper chaud mec, même à la couche 50 je te trouve du diamant. Le plus gros chat du monde. Le mec, il va dans le ciel, il va au top de la montagne, il trouve du diamant si tu veux. J'ai rigolé à une vanne que je ne comprends pas puisque je ne connais pas les couches, c'est bon? Mais ouais, pareil, en fait, tu connais pas ces couches? Eh bah, je t'expliquerai. Je t'expliquerai. Mais j'ai pas compris. C'est bien. Bon. Alors, les gars, déjà pour ceux qui connaissent pas Fuse, c'est sa grande première ce soir sur un jeudi soir. Donc, s'il vous plaît, dans le chat, on envoie plein de cœur à Fuse tout de suite. Hello. Immédiatement. Salut évidemment. Ah putain, mais moi je croyais que c'était un pro du stream. Encore un mec qui vient de Paris, qui a des chaises gaming, des fonds verts incroyables, des studios à Webedia, des caisses d'argent. Putain, mais. Tu parles de qui? De Fuse? De Fuse, ouais. Ah bon?
Bah oui, j'espère. Enfin, j'espère qu'il a des caisses d'argent, des sièges Webedia, ce que tu veux dire. Un jour, peut-être. On ne sait pas. En fait, la map qu'on avait fait sur Garry's Mod, Bob, c'était pas ma maison, en fait, c'est celle de Fuse, hein, qu'on avait visité. Tu sais, la grande villa avec des lingots d'or. Là. C'était la maison de Fuse, putain. Ouais. Tout ce que j'ai à lui dire, c'est que sa baignoire est ridicule. Voilà, c'est tout. Aïe. Bon, ça Fuse, reste, du coup, tu fais du Minecraft sur YouTube. Tu joues depuis combien de temps à peu près au jeu? 2011, je dirais, ouais. Ah, donc il y a quand même une grosse expérience. Une grosse expérience. S'il y a moyen de l'avoir dans son équipe. Ah, il fait avec lui. Toi, t'es avec Fuse. Ouais, avec oh, moi, let's go, mec. Non, mais t'en j'allais pas trop vite. Hein, parce que... Mais mec, t'as 10 ans de jeu, gros. T'as 10 ans de Minecraft. Je sais très bien. Il a encore... On va encore se retrouver face à des gens avec des réflexes de fou parce qu'il dit qu'il joue à Minecraft depuis 2011. Mais ce qu'il a pas dit, c'est qu'il est né en 2007, si tu veux. Donc ça va être la violence. On pourra jamais la monter. Bien tombé ce soir. T'as quel âge, toi, Fuse? Moi, j'ai 20 ans, moi. Enchanté. 20 ans, voilà, c'est bien, j'aime bien quand tu lui fais fermer sa gueule comme ça. Non, mais il a raison, il a vu l'an 2000, le respect est gagné. Il a vu l'an 2000. Moi, j'adore les gens qui sont nés en 2000. Bah voilà, non, ça va, quoi. Dire, comme ça, mais... ouais, c'est vrai que du coup, t'as de la chance, t'as de la chance que les gens qui sont nés en 2000 sont légaux depuis un an et demi à peu près. J'ai regardé la date, souvenez-vous de ce que je vais dire. Plus le temps va passer, plus ce sera classe d'être né après 2000, en réalité. Bah, tu m'étonnes. Je trouve ça un peu classe. T'es né dans les années 2000, gros. T'es né dans la technologie. T'es né dans le, tu vois, dans le futur. C'est fou. Mais du coup, est-ce que les 2000, ils se tapent des barres sur les 2010? Ah, bah, oui, ah, donc c'est un truc qui va se continuer maintenant. Ah, absolument. Genre, okay. Et c'est le même principe. Mes parents, déjà, moi, ma mère, on se moquait d'elle parce qu'elle est née en 50 et les gens étaient nés en 40, tu vois. C'est ça, ah ouais, c'est ça, mais... Non, vraiment, c'est ça, ça va continuer. Ça ne changera jamais de l'humanité, ça. Moi, je chie dessus à ceux qui sont 10 à 15 ans en dessous. Si tu veux, tu vas faire la même chose, ils vont faire la même chose, ça changera jamais. Il n'y a pas de mystère. C'est terrible. Ok, alors, je comprends mieux. Est-ce que, Terra, tu n'as pas dit un seul mot? Tu peux en dire un éventuellement? On joue à quoi? Comment on gagne? Les gagnants de la soirée. Alors, je vais balancer la vidéo explicative sur le live et après pour récapituler comme c'est assez nouveau, donc je vous invite tous là dans le chat à la regarder pour que vous ayez de nouveau les règles bien en tête. Et à l'issue de cette vidéo là, je vais vous dire ce qui a un peu changé par rapport à la dernière fois, parce qu'il y a eu des petits ajustements dans le bon sens pour qu'on rage un peu moins, que ce soit un peu plus équilibré. Est-ce qu'on est obligé de mater la vidéo ou tu nous feras un résumé après? Je pense que le plus simple, c'est que tu la regardes, parce que j'expliquerai jamais aussi bien que la vidéo. Mais ça veut dire qu'il faut que je me serve de ça. Ah, rien pour la voix off, rien pour la voix off, en vrai. Mais je peux pas, moi. Moi, je viens tous les jeudis pour la voix off. Hein. Attends, tu peux me passer le lien? Il vient pas pour moi, il vient pour la voix. C'est parti, je vous balance la petite vidéo. Passe le lien, fais pas ton chien! Mais il a rien compris, lui. J'ai rien compris. Tu vas sur le live, tu viens sur mon live. Mais non, mais je fais. Mais il y a deux types d'invités. Il y a des Bob Lennon qui suivent pas, qui comprennent pas, et il y en a qui reçoivent tout simplement leur 13e mois, donc. Enchanté, voilà. Enchanté la commune. T'essaies de bien te placer ou quoi auprès de moi là, de voir que t'essaies de gagner des points, bon, parce que ça a bien marché, hein. Oh voilà. Là là, qu'est-ce que je t'aime, oh. Voilà, 13ème mois qui part, sympa. Je lance la vidéo, merci Dwagby pour son 13ème mois. Je lance la vidéo, on se retrouve juste après et je vous explique un petit peu ce qui a changé. Voilà, on peut se parler, hein, pendant la vidéo, mais on vous entendra pas sur mon live, les gars. Parce que moi, j'écoute on parle pas pendant tout le Écoutez bien les règles, c'est important, histoire que vous ayez bien tout en tête. Si vous avez des questions, j'y réponds juste après. C'est parti. Je vais essayer de gérer, ça va bien se passer. Des questions, j'y réponds juste après. C'est parti. Bienvenue dans Mineral Contest. Dans ce mode Minecraft, 6 joueurs vont s'affronter par équipe de 2. Chaque équipe possède une base sécurisée dans laquelle les adversaires ne peuvent pas entrer. Dans chacune d'elles se trouvent les ustensiles nécessaires à la fabrication d'équipements. Mais pas les ressources. Le but est de collecter différents minerais. Du fer, de l'or, des diamants et des émeraudes. Chacun de ces minéraux équivaut à un nombre de points défini par un barème. Attention, les minerais sont en lieu sûr uniquement lorsqu'ils sont déposés dans le coffre d'une base. Attention donc, lorsque vous retournez à votre base, vous risqueriez de rencontrer une autre équipe qui n'hésitera pas à engager le combat afin de voler vos précieux minerais. Les joueurs ne peuvent entrer et sortir de leur base que par une seule porte. Il est donc impossible de passer par un souterrain ou par derrière. On sait que certains petits malins vont essayer de tendre des guet-apens. Alors soyez prudents. Voici de quoi pimenter la game. Un grand trou se situe à la jonction des trois bases. Il s'agit de l'arène. Il y apparaît de temps en temps un coffre rempli de minerais. L'occasion idéale pour creuser l'écart avec les autres équipes ou rattraper son retard. On y verra régulièrement les équipes régler leur compte. Petit détail, quand un coffre apparaît, il est possible de se téléporter directement dans l'arène. En revanche, si vous avez les poches pleines de minerais, il est conseillé de gagner le fight. Il serait dommage de perdre votre butin, n'est-ce pas? Une game se termine à la fin du temps imparti. Seuls les minerais présents dans les coffres des bases seront comptabilisés pour le décompte des points. L'équipe avec le plus de points sera sacrée grande gagnante de la soirée et remportera le respect du chat à tout jamais.
Non, je déconne. Ils continueront à vous chier dessus quand vous êtes mauvais. Messieurs, mesdames, bon courage. Oh là 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 là. Est-ce que on peut me dire combien a coûté à la production de cette vidéo? Parce que là, c'est tout droit sorti de M6. À la Squid Industries, on fait les choses correctement. Vous savez, bon. Voilà, nous avons mis les moyens en place et c'est repéré les éléments. C'est sponso Angina ou pas? Est-ce que je me suis fait piéger ce soir? Est-ce que j'ai rien vu? Il dit une boisson concurrente de mon sponsor. Il ose dire une boisson concurrente de mon sponsor. Vous vous rendez compte de ça? Terrible. Oh, c'est sponso Coca-Cola Company. Vous aimez le Coca? Moi aussi. Ce soir, les amis, il y a des nouveautés dans ce mode. Vous avez des questions? Vous avez des questions ou pas? Pour l'instant, j'ai pas de questions. Putain. Si, est-ce que moi j'ai des questions? Ça va durer combien de temps la j'ai game? J'ai une seule question. Alors, attendez, est-ce que vous pouvez lever la main s'il vous plaît chacun votre tour et j'attends Volpi d'avoir en premier. Vas-y. Doak, vas-y. Moi, ma question, c'est combien de temps dure chaque game? Alors, ce soir, on va faire 3 games de 1 heure. Ok. Oh, c'est honnête. Et si vous voulez, on pourra mélanger les équipes. Bon, non. Il était confiant. Il est confiant avec son Minecrafter endurci. Attends, attends, la première game, je suis avec mon terrasse. Ah ouais, ok, ouais, ok. Je vais mélanger avec des mecs qui connaissent pas les couches, donc. Fuse, t'as des questions ou c'est clair pour toi? Ah, moi c'est bon, j'ai fait mes devoirs. J'avais mais je l'adore. Écoutez, bah nous on va switch de chaîne avec j'ai une question. On doit aller strat, les gars. Dwight B, t'es pas censé tomber amoureux ce soir. T'es juste moi, c'est bien parti en tout cas. Là, une question. J'ai une question extrêmement technique. Merde. J'ai bien regardé ta vidéo. Quand on se TP dans l'arène, du côté où il y a la porte, du coup, quand on tombe, on se fait mal. Il y a un petit malus. Non, quand tu tombes de la porte, il y a pas de dégâts. Par contre, quand tu tombes du haut de l'arène, sur les murs de l'arène, il y a des échelles. Et si tu sautes du haut de l'arène dans le trou, oui, tu te fais mal. Ok, nickel. Terra, une question. Non, il y a de l'eau au fond de l'arène. Moi, j'ai vu qu'on se ferait pas mal. Ouais, mais sur la laine, on s'en bat les couilles. Mais je voyais pas d'eau. Il n'y a pas d'eau au fond de l'arène, Terra invente des choses. Et Bob, t'as des questions? Il y en a sur les côtés. Si, il y en a sur les quatre. Il y en a sur les côtés, ce qui peut. Oui, ce qui sur peut les côtés. C'est vrai, je lui connais mieux mon mode que moi, c'est bon. Bob, dis-moi, question. Et non, juste pour continuer à te baigner dans ton ignorance, même si tu sautes dans un micro-cube d'eau, ça amortit ta chute. Voilà. Oh la rogance. Ça tue. T'es en équipe. Et je commence. Attends, l'autre, il commence avec la rogance. Tu l'as toujours, ta statuette de la dernière fois ou? Je l'ai même pas reçu, mec. Squeezie qui s'entérine comme représentant du YouTube français en étant une fraude internationale. C'est vrai, je ne l'ai toujours Écoutez, la j'ai fraude. L'explication à ça. D'accord. J'ai l'explication à ça. J'ai trouvé un site. Mais mec, tous les sites pour faire des trophées, j'ai pas confiance, quoi. À chaque fois, faut appeler un numéro. Oh, ça mytho! Ouais, là, c'est du vous en avez un? Est-ce que vous avez un site pour trouver on dirait les excuses d'un mec. Mais oui, on dirait les excuses d'un mec qui s'excuse auprès de sa maman parce qu'il l'a pas appelé pour la fête des mères, quoi. Regarde ça, regarde trophée ça. Quoi trophée quoi? Trophée diffusion. Trophée diffusion, ok. Après, mets le code Terra, s'il te plaît, quand tu prends un trophée. Ok, je mettrai un lien de parrainage. Bon, alors, les gars, il y a donc. On va lancer une game d'ici 5 minutes. Juste des petites précisions. L'année dernière. Il y a deux semaines, donc la dernière fois qu'on a joué à ce mode, et la première fois aussi, c'était la première fois qu'on y jouait, donc il y a plein de choses qu'on n'avait pas anticipées. Il y avait des petits trucs qui n'allaient pas. Par exemple, il y avait sur la map des PNJ dans la deuxième game à qui tu pouvais choper des émeraudes en donnant de l'argile. C'était complètement fumé et OP et ça crée des déséquilibres de fou. C'était une question que j'avais, mais je l'avais gardé. J'avais gardé ça sur le côté. Je me suis dit, il faut trouver un village. Le village, c'est la strat pour gagner le game. C'est mort. Il n'y aura pas de village. Les PNJ des villages ont disparu dans des circonstances étrange où Cheetos les a tous butés, je sais pas. Ensuite, il y a un deuxième truc qui allait pas, c'est que on spawnait avec zéro armure et donc tout le monde se faisait des armures en fer, sauf que quand une team se faisait niquer, elle perdait son armure en fer et pour remonter, c'était trop dur. Ouais. Pour choper du fer, refaire tout le stuff fer, blablabla, déjà c'était long et en plus, ça lui donnait trop un désavantage et sa game était quasiment niquée quoi, la team. Donc maintenant, les gars, quand vous spawnez, vous avez armure et épée en fer. Pas d'outils, hein, mais armure et épée en fer. Okay. Par contre, vous n'avez pas la pioche ou quoi. Ok. C'est beau. C'est honnête. Quand vous mourrez, quand une équipe meurt, elle ne drop que les minerais qu'elle avait sur elle. Parce que vous vous souvenez, la dernière fois, tu tuais un gars, il y avait de la ficelle, il y avait des trucs de partout qui servent à rien. Ouais, mais surtout son stuff là, à récupérer. Son stuff, là, c'est les minerais qui tombent. Ça faisait en partie, si tu meurs normal, faisait en partie le charme du truc. Ouais, mais c'était...
on verra. On va tester comme ça ce soir et on verra s'il y a un juste milieu à trouver. Mais en fait, la progression et l'avantage des teams va beaucoup se faire sur les niveaux et sur les enchantements, en fait. Un fight, bah, si t'as enchanté ton stuff, t'auras un avantage de fou face à l'autre équipe. Enfin, pas de fou, mais un avantage conséquent qui te permettra de prendre le dessus sur le fight. Ok? En parlant de fight, il y a une nouveauté qui est intéressante, c'est que je crois, hein. Ouais, c'est bon, j'ai la confirmation. Tu peux spam les coups d'épée maintenant. Il n'y a plus le temps de recharge entre chaque coup d'épée. Ah, normalement tu pouvais spam avant, mais c'est juste que tu faisais moins de dégâts en fait. Fallait attendre que ta partie. Là, non, tu peux pareil. Spam et ça te fait le même nombre de dégâts. Tu peux cliquer comme un gros bourrin et mettre 18 coups au gars en très peu de temps. D'accord, donc c'est Minecraft Vanilla en fait. Okay, ouais, la casualisation est déjà en route. Donc si tu tends un guet-apens, tu peux tuer les gars très très vite potentiellement. Oh let's go, moi ça va être ma message. Il n'y a plus de nourriture parce que ceux qui tombaient sur des villages et du blé avaient un avantage trop OP par rapport au reste, mais il y a un système de régène quand t'as pas été hit. Je crois que j'ai pas les secondes, mais je crois que quand t'as pas été touché depuis 5 secondes, tu commences à régène un demi-cœur toutes les X secondes. Mais il n'y a même plus de gestion de la bouffe, il n'y a même plus de gestion des objets que tu voles sur les autres, il n'y a même plus de gestion du tout. Attends, on va voir. C'est juste du PVP avec du minage. Toutes les 2 secondes, tu récupères 0,5 cœurs. Ah, qui râle l'autre. Depuis au moins 5 secondes. Je suis vieux, j'ai le droit. Ok. Louis vient de supprimer la licence pas exprès, mais je suis baisé. Ok. Le coffre de l'arène, vous vous souvenez, c'était un petit peu galère parce qu'on avait accès à son contenu en cliquant, mais dès que tu sortais du coffre, tout était supprimé. T'avais plus rien, ouais. Voilà. Maintenant, le coffre, il prend 5 secondes à être ouvert. Donc, il y a une barre et tu mets 5 secondes à l'ouvrir. Ok ? Si on te touche sur cette période de 5 secondes, ça annule l'animation. Donc, tu dois repasser 5 secondes à l'ouvrir. En gros, faut gagner le fight, quoi. Faut gagner le fight pour pouvoir. T'es obligé de gagner le fight et d'être le dernier en vie. Ok ? Ah ouais. Si tu bouges ou si tu te prends un coup, le coffre se ferme automatiquement. Si tu réussis à l'ouvrir au bout des 5 secondes, ça met automatiquement tout dans ton inventaire, instantanément. Ce qu'il y avait dedans. Ok ? Ok. Yep. Quoi ? Non mais attends, vous allez voir. C'est parce que j'ai appris un jeu complètement différent, c'est casu. T'as dit quoi sur le fait que ça aille dans ton inventaire ? C'est très bien, quand c'est vrai. Au bout des 5 secondes, ça met instantanément tout ce qu'il y avait dans le coffre dans ton inventaire. T'as besoin de clic droit ou de bourré, non. T'as pas de clic, de swipe. Ah ouais. Ouais, ça en même temps, ça par contre c'est équilibré dans le sens où t'as attendu 5 secondes. Je veux dire, t'as attendu 5 secondes, tu vas pas en gâcher 3 de plus pour tout prendre si tu veux. Donc, ouais, enfin, tu gagnes une arène, t'as gagné la game quoi. Les coffres de la semaine dernière, des fois. Alors, souviens-toi, Doag, les coffres de la semaine dernière, c'est au. Enfin, ça dépend. Souviens-toi, il y a des teams qui ont gagné des coffres et tout, ça les a pas fait win pour autant la game. Donc, c'est faux. Tout n'est pas basé sur les coffres. C'est un avantage pour creuser l'écart ou pour rattraper son retard, mais d'un autre côté, tu perds du temps pour farm du minerai. Ensuite, faut que tu retournes dans ta grotte, etc. Donc, tu vois. Qui tournait en rond, du coup. Voilà, ça... faut quand même bien se traiter. quand vous mourrez, vous devez attendre 10 secondes avant de respawn. Voilà, parce que sinon c'était trop le bordel. Comme l'arène est proche des bases, tu réapparais instantanément, tu retournes direct dans l'arène. La repop était instant avant, j'avais pas vu ça moi. C'est fumé. Ok. La repop était instant, donc en gros, imagine, t'as gagné ton fight, bah le temps que t'es niqué les mecs qui restent dans l'arène, le premier que t'as tué, il a le temps de revenir et te re-empêcher d'ouvrir le coffre, donc c'est n'importe quoi. Donc, ok, les gars, vous avez quelle couche vous sinon in game C'est un secret. Autre grand modif. On a déjà tout prévu. Il reste deux petites modifs, les gars, et on peut aller dans la game. Le slash arène maintenant télécharge aussi le mate pour éviter que le mec avec tous les minerais ne reste pas, tu vois. Ne se téléporte pas et qu'il y en ait qu'un sur deux qui viennent. Si vous vous téléportez à l'arène en tapant slash arène, votre mate est automatiquement téléporté avec vous dans l'arène. Ok. Ah. Ok. C'est huge. Ok. Donc réfléchissez bien. Si votre mate a beaucoup de minerais sur lui, etc., est-ce que vous avez pas tendance à éviter, ou alors vous mettez tout dans un coffre dans votre grotte, mais vous risquez qu'un gars vienne dans votre grotte vous péter. Enfin voilà. À vous de voir. À vous de faire les bons choix au bon moment. Et ensuite, le slash arène ne peut être utilisé que 10 secondes après l'annonce d'un coffre. Vous pouvez pas vous TP instantanément sur le coffre, sinon c'est trop OP. Oh, c'était ma spécialité. Vous avez 10 secondes de réflexion et au bout de 10 secondes, vous pouvez vous TP. Ok. Attends, okay. Non, tu peux répéter juste cette dernière règle. Excuse-moi. J'adore comme il est investi, ça me plaît. Non, c'est donc... celle-ci. Je l'ai pas bité du tout en fait. Donc vas-y. Quand il y a une alerte qui dit un coffre est apparu dans l'arène. D'accord. Parce qu'il y a une alerte pour te prévenir. Dans qu'il y a une alerte qui te dit. Première nouvelle. Si faut la voir. Hein. Des fois, on la voyait pas là il y a 2 semaines. Donc faut la voir. Okay. Donc t'as 5 secondes de réflexion. Ah ok. Pardon. Ok. Attends. T'as 5 secondes pour réfléchir. Ok, une fois que le coffre a été annoncé, et au bout de 5 secondes, il te reste 10 secondes pour te TP dans l'arène. Après 10 secondes, en tapant slash arena. En tapant slash arène dans le chat. Slash arène, pas arène. Arène, ok. Ok.
Et maintenant, apparemment, l'alerte, ils l'ont rendue plus visible. Elle est bien visible et t'as un son que tu peux pas rater. J'allais dire, c'est quoi l'alerte? C'est un coup de trompette? C'est dans un message dans le texte? C'est quoi? C'est un message dans le chat, c'était un texte, mais ça va, c'était très lisible. Enfin, en tout cas, maintenant, t'as une alerte et t'as un son spécial, tu la verras, Terra, t'en fais pas, vous la verrez tout de suite. Donc, je récapitule, vous entendez l'alerte pendant 5 secondes, vous pouvez pas vous TP, ok, vous devez prendre une décision, et au bout de 5 secondes, il vous reste 10 secondes pour vous TP. Vous avez que 10 secondes pour vous TP. Après 10 secondes, c'est mort, vous pouvez plus vous TP, ok? Okay. Parce que sinon c'est OP, il y en a qu'est-ce qu'ils feraient ces petits malins qui pourraient totalement être Terra par exemple et sa fourberie, ils pourraient dire mais attends viens on attend une minute qu'il y ait le premier fight et on se TP et on recte le dernier qui est en vie, on le surprend et on vole le loot tu vois, ça oui, c'est sûr. Pas possible. Exactement. Ok. Est-ce que tout sympa. Est clair pour tout le monde? Ah, moi j'ai une dernière question, c'est genre quand tout à l'heure t'as dit que quand on meurt on drop que les minerais, c'est que quand on meurt ou que quand on se fait tuer? C'est les deux. Ah ok. Comment on fait une torche? Voilà. Ah, tu prends un petit bout de bâton et tu mets un morceau de charbon dessus. Merci. Le tuto de 2011. Non, mais... le vrai tuto du début. Bon, les gars, je vous laisse. Je sais pas qui a dit ça dans le chat, donc j'ai répondu honnêtement. Ah, mais c'est Fuse, tu te fous de ma gueule. Ouais. De quoi? Mais non, moi j'ai rien demandé, moi. Si, c'est Fuse. Je vous laisse, les gars, je vous laisse vous connecter. Attends, excusez, j'ai une dernière question. Important. Vous êtes déjà tous là, vous êtes trop bien. Mais oui, mec, on est là, gros. Bon gars, si moi, on arrête gagne, on aura un trophée diffusion.com à notre nom. J'avais pas compris. Ça commence à faire deux trophées de retard. Hein. Réfléchis bien, Squeeze. Hein, parce que là, Terra, je t'en fais la promesse. Puisque de toute façon, je dois commander celui de Dwag. Donc, je t'en la promesse. Par contre, Bob, c'est quoi cette tenue là? C'est un joueur pro, toi, c'est pas possible. Ah bah, que veux-tu? Moi, je prends 50 balles de l'heure. Hein, ça déconne zéro. Hein. Messieurs, dames, Louis, j'aimerais que tu nous dises quelle couleur correspond à quelle team et puis on va pouvoir commencer la partie. Je le rappelle, les gars, le but c'est de choper du minerai le plus possible. À vous de voir si vous voulez aller choper les coffres dans les arènes, si vous voulez aller envahir la grotte d'un autre et lui voler de son minerai. On a vécu cette situation plusieurs fois il y a 2 semaines. Bref, faites des choix stratégiques, soyez bons, soyez efficaces et je vous souhaite à tous en tout cas une très bonne chance dans cette première game qui va durer 1 heure et qui va donc se finir probablement à 21h50. On va être splitté, on va être chacun dans des channels différents, on ne s'entendra plus. Ah, donc là ça commence là. Ah ouais, putain. Là ouais. Ça commence et vous allez voir que quand ça commence, moi, on a panique. Côté, on a ce petit côté, on a le petit stress, on passe un peu en mode e-sport et tout, donc ça devient intéressant, ok? Je sais pas vous, mais moi je suis détendu. Hein. Je serais détendu dans la défaite, moi je veux bien faire bon dernier ce soir, hein. C'est rose. Je suis extrêmement stressé. Mais tu as tellement de taf, bro, t'es pas au courant, mais t'as tellement de taf. Non mais gros, j'ai vu. Ok, bon, ça va là. Fuse, aie confiance en toi. Chito, s'il te plaît, je te laisse lancer. Normalement, on va être TP dans les maisons automatiquement au début. Team jaune. Le chat, team jaune. A tout à l'heure, les gars. Team jaune. Bonne chance. A tout à l'heure, bonne chance à tous. Oh, j'ai excité. C'est pas de bonne chance. Bisous, les gars. Good luck. Good luck à tous. Ok. Pensez au trophée. Non, là, je suis là. Tout va bien. Ok. Putain, c'est beau, t'es dedans moi, je te vois pas. Non, mec. Alors, tout va bien. Ok, c'est parti. Ok, let's go, on va direct fermer. Vamos. Ouais, au centre. Tu peux passer à travers, t'as pas besoin d'ouvrir la porte, ok? Au centre, j'ai l'arc. Pourquoi c'est à 0? Moi, c'est à 0, je suis bugué ou non? C'est bon. Pourquoi tu veux aller au centre? Y'a pas de coffre encore. Y'a pas de coffre encore, très bien. Dans ce cas-là, on va miner. Faut aller farmer. Ouais, on va miner direct. Alors, dans ce cas-là, prends une grotte. De l'arbre, non, de l'arbre. Il te faut de l'arbre parce que sinon t'as pas de quoi. Vas-y, go, je te suis. C'est toi le boss, c'est toi le patron, c'est toi le boss, mec. Pour l'instant, il nous faut des arbres, il nous faut du bois. Sans bois, on peut pas faire de pioche, on peut pas faire de pelle, on peut absolument rien faire, donc on est baisé. Donc punch des arbres. Ok, vas-y, je vais me faire un arbre à côté. Je vais juste devoir réduire la TH. Je sais pas dans quoi c'est. Escape, config, affichage. Graphique. Et c'est police ou un truc comme ça et un truc à la con. Putain, par contre, j'ai un zéro de l'infini qui s'annule jamais, qui est la pu comme ça. Il est dégueulasse. Donc je suis même pas sûr que ça a commencé en fait, ouais. Village à gauche, je crois. Ah ouais, on a un village. Je prends du bois, hein, frérot. J'ai un zéro qui fait bip au centre de l'écran, il bouge pas si tu veux. Donc ça va être corsé. Ah pendant une heure, je vais me taper ça. Je te déteste. C'est fait exprès, c'est pour que tes viewers ils viennent sur mon live, c'est normal, lui il a fait exprès. Ah, on est malade. Oh là là, l'OPSP Coca-Cola quoi, nul. Dégueulasse. OK, non, lorsque tu auras à peu près 8 rondins et des brouettes, retourne à la base en triple vitesse. OK.
8 voilà. rondins, tu m'as dit. Exactement. Okay. Et il nous non, mais attends, faut... pas besoin d'aller à la base, pas besoin d'aller à la base. Go dans une grotte direct, non, gros. Pas... On craft là-bas direct. C'est pour créer des. Ouais, bien sûr, mais c'est pour créer des pioches. Ah, parce qu'il y a tout ce qu'il faut, il y a l'atelier et tout là-bas dans les bases. Oui, bien sûr, bien sûr. Moi, j'y vais détendu si tu veux. Et avec donc, t'es ça... à la base là. Ok, ouais, je te vois. Je suis à la base. Je suis à la base. J'en profite. Wonky bug pour les autres. Ah, il y a un bug. Il y a un bug pour les autres. Le zéro qui bip chez tout le monde. Ah, est-ce qu'on ferait pas un reboot, sincèrement, parce ok, que là, on va faire un reboot. Louitos, est-ce qu'on peut faire un reboot si tout le monde a un zéro au milieu de son écran? Ouais, parce que. Allez, des amis, désolé, c'est des petits bugs qui arrivent. C'est on grave, remake. C'est ok, on remake. Allons-y, on remake. Et voilà, fixe. Préviens les autres qu'on fasse pouf pouf, parce que sinon, voilà, on va pas. Ok, les amis, le bug est en train d'être fixé. Désolé pour ce bug du zéro. Ouais, bravo les gars. Vous avez un zéro au milieu de vos écrans? Oui. Yo, c'est en train d'être fixé. Ok, c'est en train d'être fixé. On va pouvoir le refaire, les gars. Ça marche. Ok. Ah, mais il y a toujours des PNJ sur le live, c'est incroyable. Je suis ému, c'est incroyable. Il y a toujours des PNJ. Ouais, moi j'ai des PNJ. Ils vendent des minerais ou pas? Ils me vendent des émeraudes contre 10, 20 de blé. Non. Après, je peux dire, on les utilise pas, mais vite ma mère. Bon, les gars, si vous croisez des PNJ, c'est censé être retiré, c'est pas grave. Faites comme s'ils étaient pas là. On fait ça, on triche pas. De toute façon, on a toutes les VOD, donc toute forme de tricherie. Pense au trophée. Ok, il va les kill au début de la game. Louis va les kill au début de la game. Et de toute façon, il n'y a plus de bip bip là, c'est parfait. Ouais, c'est cool. Ok, on va quand même relancer la game. Ils sont en train de fixer le bug, on va pouvoir relancer la game. Ah, mais dis-le si t'es mort, contre un mob, t'inquiète. De quoi? Si t'es mort contre un monstre, tu peux mourir. Non, moi j'ai géré, t'inquiète, je gère, tu sais, tu connais. Bah tiens, prends ta flèche, tu t'es éclaté, hein, t'es pas bien. Arrête, je mourir. Le reset, il est complet ou bien? T'es pas bien, salope. Attends, je viens de sauver. Putain, mais gros, j'ai rien compris. J'avoue, ça reset pas la map. Louitos, est-ce qu'on va pouvoir... On a baisé notre arbre. Non mais c'est quoi les deux tryharders là qui comptent les arbres là par contre? Mec, j'étais à fond mec, j'avais qu'est-ce que faire ouf. Les gars, apparemment dans une minute on est bon. Comment est-ce qu'on fait pour réduire la taille de l'ATH en attendant? Alors, option, tu vas ensuite dans option graphique et laisse-moi une seconde. Ou alors attends, c'est pas option graphique, c'est attends une seconde, option. Merde. J'adore cette bienveillance de Bob Bell, plaisir. Non, à chaque live, il est dévoué. Ah, c'est bon. Regardez escape. Bien le visage de Terra. Regardez bien à quel point il a la flemme. Escape, option graphique. Vas-y, escape, option graphique. Ok. Tu as taille de l'interface. Taille de l'interface, voilà. Ok. Et voilà, et là tu te sauces. 2, 3. Tu veux peut-être 1 si t'as un écran 4K. J'ai mis 4, c'est très bien. 4, c'est très bien. C'est bon, je peux relancer. La game. Ok les gars, vas-y Louitos, let's go. Ça réinitialise nos inventaires et tout, enfin on fait ouais, pouf, ouais, ça réinitialise, on va perdre le voix. Désolé les gars, pour ce petit contretemps, ça arrive. C'est pas grave. Désolé. De toute façon, les bleus partent tellement bien avec la grotte juste à côté, si tu veux. Ouais, c'est vrai, ouais. C'est mais après, on peut aller leur péter à leur grotte, hein, oui, si t'en du bois, il nous faut du bois. Allons-y. Ok, vas-y, Bamos, go du bois. T'as plus le bug, c'est bon, Bob? J'ai le zéro au centre, et ça fait un autre bruit par contre. C'est sympathique, mais ça fait toujours merde, un bruit. Louitos, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour le bug du zéro? Est-ce qu'on peut enlever le timer simplement? Ah merde, putain, c'est relou. Et il avait disparu au bout de 5 minutes? Il avait rien du tout disparu. Il avait disparu quand t'avais arrêté le timer et arrêté la game en fait. Ah merde. Aïe. Bon, c'est pas grave. je suis en train d'attendre j'attends des news de Louitos. On attend des retours. Comme si on allait finir la game. Il y a rollbug du zéro. Aïe. Où est les autres? Ils ont encore le zéro. Louitos, est-ce que tu peux venir sur Discord pour nous tenir au courant en direct de la situation? Comment on peut faire? Il est dessus. Mais on fait quoi? On continue la game ou on attend? Moi Louitos, je continue, hein. Je suis en train de taper. Vas-y, des continue, arbres, continue. Vas-y, continue. Ce dont on va avoir besoin, Squeeze, du coup, c'est... Je suis sur Discord avec lui. Ok. Dolpaxio, no stress, c'est pas grave, gros, ça arrive, hein, des petits bugs comme ça. T'en fais pas, mec. C'est déjà trop cool que tu nous aies aidé à coder le mode. Y'a pas de soucis, gros. On envoie de la force. Celui qui a codé le mode, bah voilà, c'est solide. Il a pas codé le mode, mais il a apporté beaucoup de modifs qui ont beaucoup aidé Cheetos, donc y compris ce délire de timer, etc. Donc il est dessus, voilà. Bon, qu'il triche. Comment ça, il triche? C'est la tricherie, ça y est, ça commence. Pourquoi il triche? Ça a à peine commencé, c'est la violence. Il aura fallu 17 secondes avant la première forme de tricherie. Ça vend déjà de la laine.
ça vend déjà de la laine. Contre de l'émeraude. C'est ça, c'est ça. Là, il nous faut de la... Nathan, qu'on a du bois, il nous faut de la pierre. Donc, ce qu'il nous faut, c'est une petite montagne, si possible. C'est toi ça que je vois courir là ? C'est toi que je vois courir là, ouais, je suis en train de. Je te suis, je te suis. Malheureusement, donc, là, on n'est pas très bien. Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est se planquer plutôt à l'opposé de notre baraque et puis on va creuser. Hein, écoute, on n'a pas l'avantage du coup d'avoir une caverne naturelle. On n'a pas de caverne ou quoi ? On va se mettre dans notre petite ponde là et puis on va se démerder. On va se démerder, Vanilla. Alors. Ça va disparaître, ils sont dessus. On fait quoi avec le bois ? On fait alors, quoi ? Tu en fais des bâtonnets, pas tout. Hein. T'en fais juste la moitié en bâtonnets si tu veux, parce que les bâtonnets sont très utiles. C'est quoi déjà le raccourci pour que ça te crée tout d'un coup ? Je me souviens plus. Tu laisses cliquer dessus et tu le fais glisser. Ça permet de partir les ressources. Alors j'utilise de la merde. Non, mais tu sais, pour que, ça te crée tout ce qu'il est possible de créer d'un coup, tu vois ou pas ? Mage clic, je crois. What, c'est quoi ça ? Attends, mec, je prends cher. Ah, j'étais en train de me noyer. C'est fou. Je suis nul. C'est pas grave. On va prendre le temps si tu veux. N'oublie pas de te faire une pelle et une pioche. Pour l'instant, en bois, pas besoin de plus. Ce qu'il nous faut, c'est de la pierre. Donc, on va creuser jusqu'à tomber sur de la pierre. Et une fois qu'on aura récupéré 3 de pierre, il faut absolument changer notre pioche pour une pioche en pierre. Parce que tu vas voir que la pioche en bois, c'est de la merde. De la merde, c'est l'esto. Tu es d'une bienveillance, Bob. Continue, tu me fais un plaisir fou. J'aime que tu utilises le mot bienveillance pour patience, en fait. C'est juste de la patience, tout va bien. Ouais, mais t'es très patient et c'est rare de nos jours. Je suis très peu patient, moi. Donc, je me suis fait une pioche et une pelle. Est-ce que c'est bon ? On avance ? Excellent. Let's go. On avance. Tu vois, je suis en train de creuser un trou. Du coup, non, il fallait pas. Ah, c'est pas grave. Pardon. C'est pas grave, j'ai bloqué la flotte. Et regarde, même. Bob, oublie pas qu'à 21h50, la game, elle est ciao. Faut qu'on aille vite. Et tac, voilà, j'ai même planqué un peu notre planque. On voit pas plus trop, rien. Pas trop, ouais, voilà, exactement. Ok. Viens m'aider. Vas-y, on creuse. Prends un côté et prends l'autre. Vas-y. Ok. Donc en fait, il faut On n'aurait pas fait mieux de trouver une grotte là ? Il y en avait pas ? Le problème, c'est que la grotte là, j'en voyais pas de manière proche et j'ai pas l'impression. Ah, regarde, du fer déjà. Oh, bien joué. Prends le fer, on va pouvoir se faire pioche en fer et on va farmer nos morts, mon ami. Faisant attention, parce que les pioches en fer, il faut les garder pour les pioches, enfin pour les diamants, vu que les diamants ne sont récupérables qu'avec des pioches en fer. Si tu les tapes avec une pioche en bois ou en bière, tu perds le bloc purement et simplement. Ce qui fait chier. Le diamant, c'est quand même pas mal de points, donc faut pas négliger tout ça. Est-ce que faudrait qu'on trouve du charbon ? Il nous faut du charbon, ouais. Ce que je vais proposer, c'est regarde, maintenant qu'on a plein de cobble, moi je le fais en mode mamigamon, moi je m'organise, je suis en train de créer un four, mon cher petit Squeezie. Un petit four. Ah, mais merde, il faut niquer le fer avec une pioche en pierre, sinon on le perd. Pas de panique. Oui, avec une. Ouais, c'est pas grave. Ouais, on a perdu un fer, c'est pas grave. Ok, le bug est résolu pour tout le monde, apparemment. Ah, est-ce qu'il te reste. Ouais, résolu, c'est vrai. Est-ce qu'il te reste des bûches ou pas du tout ? Il m'en reste un peu, ouais. T'en veux ? Mets-les dans le four. Mets-les dans le four. T'as fait un four ? Putain, mais t'es une rapidité. Mets-les dans le four au-dessus, pas en dessous. Au-dessus dans le four. Ok, attends. Il y a de l'eau, ça fait chier quand même, l'eau. Pourquoi t'as tapé ? Il est où le four ? Ah ok, il est là. Je les mets au-dessus. C'est ça. Les planches en bois, je les mets au-dessus. Oui, non, les planches, tu les mets en dessous et les rondins, tu les mets au-dessus. Si tu as des rondins, je suis en train de récupérer quelques rondins. Ok, il me reste des bûches super. De boulot, c'est ça ? Oui, super, voilà. Et normalement, très bien. Et ça va créer du charbon de bois. Ce charbon de bois va être utile et nous permettra de créer des torches. Voilà. Et du coup, hop, je viens de bloquer le truc, donc on y verra quelque chose. On a plus tard qu'à attendre sa cuise, donc continue à creuser un petit peu même à... Je me suis fait deux pioches en pierre, est-ce que t'en veux une ? Non, continue, c'est bien. Garde la pioche en pierre. Ok, c'est on continue. Allez, vas-y, nous faut du minerai là. Quand il y a le coffre, on fait quoi, Bob ? On y va, hein, le premier, on n'a pas de minerai là. Je ne sais pas. Quoi qu'on risque de perdre le fer qu'on vient de trouver, mais bon, est-ce que c'est très important ? Fin de la game, 21h55. Non, l'astuce dans ce cas-là, regarde, avant d'y aller, on peut abandonner notre fer dans la mine en appuyant sur A. Tu le jettes au sol. Ah, vas-y, on fait ça, ok. On fait ça. Quand le coffre apparaît, on a que 5 secondes. Donc on drop tout ce qui est important, les pioches, le fer et tout ici, et on fonce dans l'arène. Ok, gros. Ah, par contre là, pas de souci. Par contre là, on commence à être un peu de profond dans le noir. Donc je remonte et je vais espérément. Ah super, 5 charbons de bois. C'est bon, t'as du charbon. On peut faire du putain de. Ouais, des torches. Ouais, c'est bon. Vas-y, magnifique. J'ai magnifique, ma torche. Donc on tu va régales, y voir. On y voit. Oh, ok, tu régales. Récupère-moi tu régales, ce fer. Récupère-moi ce fer de tarbat. Ouais, celui-là, c'est celui qui reste là, ouais. L'objectif est d'atteindre la couche entre, si je m'abuse et si mon Minecraft n'est pas trop rouillé, entre 3 et 12, ou un 5 et 12, une connerie comme ça. Alors pourquoi et là, 3 et 12 Ouais, voilà, exactement. Je vais me permettre de te faire le cours en même temps. Si tu appuies sur F3, tu as des tas de chiffres. Ouais, tu vois, ça devient la NASA, j'ai déjà vu ça. Exactement. Là, je suis en mode NASA. Tu vois, il y a deux paragraphes. Tout en haut du second paragraphe, tu as X, Y, Z.
Attends, pardon, je me fais engueuler parce que j'ai oublié un fer. Excuse-moi, je me fais démolir par mes gens. Vous êtes impitoyable avec moi. Hein. Oui. Ah là là, tu vois, passion, que la c'est rare, Bob. Bon, en vrai, vous avez raison. Merci le chat, merci le chat, merci le chat. Il en reste 3. Il en reste 3, il en reste 4. Et ben voilà. Excellent. On devrait faire tellement, mais on est complètement con. On devrait faire un coffre d'ailleurs et les planquer dedans. Pourquoi je crie pour rien? Mec, j'ai vraiment le syndrome du youtubeur, je crie pour rien. C'est pas... Non, mais c'est pas ça, t'es jeune, t'es plein d'énergie. Quand j'étais jeune, plein d'énergie, je criais aussi pour rien. Maintenant, je fais ça que pendant le sexe. Mais du coup, là, c'est une autre méthode de gagner de l'argent, hein, brave Jean, hein, bien évidemment. C'est... Oh putain. Je ne vous le conseille pas. Sortez couvert. Que veux-tu? Du coup, voilà. Donc là, on est en train de taper dedans et on tombe sur de la roche rouge qui ne vaut rien du tout. J'ai 11 fers. Faut pas que j'oublie de le drop. En faisant A, c'est ça? Oui, ou mais pour l'instant, on va pas le drop. Pour l'instant, on va pas le drop. On va. Pour là, on est à la couche. Combien là? En bas là. Ouais. C'est marqué où? Pour l'instant, attends, passe-moi ton fer. Très bien. Tiens, je te le donne. Très bien, merci. Attends, pardon, c'est une pioche. Excuse-moi. C'est pas grave, je la récupère quand même. Tiens, voilà une autre pioche. Tu veux dire que tu viens de me voler une pioche finalement? Impeccable. Et maintenant, ouais, c'est. Attends, non, ça te l'a pas donné? Tiens, prends ça. Voilà, des merdes. Putain, merci. Impeccable. Et va creuser au fond. Maintenant, ne me regarde pas. Encore plus bas. Ne me regarde pas sous aucun prétexte. Ne te retourne pas. Même si à la fameuse caisse de mes couilles qui arrive ou je sais pas quoi, tu me regardes pas. Tu me regardes pas, tu réfléchis pas, tu me regardes pas, tu te retournes pas. Vendu ? Voilà. Mais pour quelle raison je me retourne pas ? Eh ben, parce que je suis en train de créer un coffre que je vais planquer de manière intelligente. Anonyme. Sans que, bien évidemment, les gens sachent où il se trouve. Et de ce fait... Ok, je continue d'aller vers le bas ou pas ? Je continue d'aller vers le bas ? Oui, continue d'aller vers le bas, tu réfléchis pas, tu vas vers le bas. Et donc là, les gens sont là, Bob, on n'a plus l'image. Évidemment que vous n'avez plus l'image, puisque vous allez cafter. Vous ne me faites pas confiance, vous avez comme vu. Des chialeuses. Une seule seconde. Cafter comme des chialeuses. Il y a un terme que j'avais au collège quand j'étais jeune, c'est poucave. Vous connaissez ça, poucave? Voilà, c'est... il me faudrait des torches, parce que là, on commence à plus rien voir là où je suis. Eh ben, j'y viens. Une toute petite seconde, tu te retournes pas, bien sûr. Évidemment. T'inquiète, je me suis pas retourné, t'inquiète pas. T'inquiète pas, je me suis pas retourné. Attends. Hop. Tac. Voilà, c'est bon, tu peux te retourner. On va trop profond là, y a plus rien là-bas, y a même plus de pierre bientôt. On va finir par tomber sur quelque chose, et même si on tombe sur rien du tout, c'est une très bonne nouvelle. Je t'expliquerai pourquoi. Okay. Ce sera très chiant, mais techniquement, c'est une des méthodes les plus effectives. Que sans doute Link et Terracil sont déjà en train de bourrer parce que je pense pas qu'ils se baladent en attendant de voir le diamant visible, si tu veux. Vu que c'est, okay. Oh, c'est... regarde à droite, on a des choses là. C'est quoi? De l'or. Attends, arrête de taper. Voilà. Pardon, de l'or. Pardon. C'est pas grave. De l'or, pioche en fer. J'ai pas encore de pioche en fer, et toi? Eh ben, tu m'en as fait, je suppose, vu qu'on est dans un bon esprit d'équipe. Tu as donné tout le fer, n'est-ce pas? Oui. Bon, eh ben on panique pas, on continue, on va creuser. Pardon, je viens t'envoyer ma pioche en pierre sans faire exprès, tu peux la rendre. Excuse-moi. Non, c'est moi, je te l'ai envoyé dessus, excuse-moi. C'est pas. Vas-y, je te laisse, du coup, je continue de creuser vers le bas, ok? Et du coup, je me dis, vérifie avec ton F3, sur le second paragraphe, tu as XYZ, le deuxième chiffre, ça doit être entre 15, ou je crois 12 et 5. Ah, tu as 22 encore. Il faut creuser encore un peu, voilà, c'est ça. Ok. Là, pour le coup, tel que l'on sommes, tel que l'on est, j'ai pas. Oublie pas de drop tout ce qu'il y a de la valeur, genre le minerai, la pioche en fer, etc., avant que le coffre apparaisse, ok? C'est ça, avant que le coffre apparaisse. Du coup, on a toujours pas de fer, c'est Ouais, ce que je vais faire, hop, voilà. Les gens disent que 11 c'est optimal dans le chat. 11 c'est optimal, et ben fais confiance aux gens du chat, perso, j'ai confiance. Ouais, je leur fais confiance, ils m'ont sauvé du fer, ils m'ont permis de trouver du fer, je vous fais totalement confiance dans le chat. C'est ça. Moi j'ai coupé, ne te retourne pas, hein. J'ai coupé encore une fois et je. Est-ce que tu peux me faire une pioche en pierre vite fait s'il te plaît, vu que j'ai toujours pas de pioche en pierre, hein, j'ai bien dit, pas en fer. Non, bouge pas, ne gâche pas la planque, voilà la cache secrète. T'inquiète. C'est normalement récupéré, la cache secrète est là, on joue stratégie. Hein. Alors c'est lent par contre, malheureusement, parce que je n'ai pas les réflexes ou disons le stress que Link et Terracid sont en train de se mettre, si tu veux. Ce qui me paraît... Nous on est chill, on est sur une bonne ambiance un peu chill, ça fait plaisir. C'est Minecraft. Minecraft, j'ai jamais compris les gens qui voyaient ça en mode ultra compétitif. C'est pas Street 4 quoi les enfants, calmez-vous. C'est pas Street 5, c'est pas... Sauf si tu joues ta vie sur un sponsor, Je vais avoir besoin d'une pioche en pierre par contre, dans très peu de temps. On est à 11. Maintenant qu'on est à 11, on fait quoi? Je vais tout droit?
Maintenant qu'on est à 11, oui, tu vas tout droit et même tu vas faire ça par un interstice de 2. Tu vas comprendre. Je suis en train de terminer une pioche en fer que je vais. Ok, je viens de tomber sur du diamant. Je viens de tomber sur du diamant. Félicitations. Ben, récupère-le, toutes mes félicitations. Je n'ai pas de pioche en fer, je ne peux pas. D'accord, mais ne touche à rien. Je viens avec ta pioche en pierre. Ne bouge pas, j'ai tout ce qu'il te faut. La pioche en fer est prête. Ting, que ça a fait. Ok, vas-y. Franchement, je trouve que on s'en sort bien. On est dans une coopération. Regarde, on a déjà du diams naturellement sans se battre en mode PVP comme des débilus au centre et mourir comme de la merde. On est pas mal, confiance. Voilà. Quand bien même on a perdu, je continue de miner tout autour du diams aujourd'hui. Hop là, voilà. Je continue de miner tout autour du diams, ok ? Vas-y. Fais attention, si jamais tu vois une nouvelle zone, ferme-la avec de la bouse, n'importe quoi, tout ce que t'as qui te passe. Une zone de quoi ? Une zone qui n'est pas celle que tu as creusée, genre une caverne naturelle, une saloperie. Ok. Alors, c'est sans doute bourré de monstres à la con et on n'est pas prêt. Voilà, simplement. Alors, j'ai besoin que tu viennes miner le diams et que tu m'amènes une pioche, s'il te plaît. J'arrive. Regardez mon héros, une musique épique dans le best-of, voire un truc au casou, un truc nul. Viens me sauver, mon ami. Attends, en plus, c'est un gros fion, il y en a pas mal. J'en profite pour miner l'or, parce qu'il n'y a pas de raison, madame le juge. Vas-y, chope l'or. Et mets des torches en descendant si tu peux, moi j'en ai toujours pas. Je suis chaud qu'il y en ait. Hop là. Voilà. Vas-y, c'est toi qui as tout le matos, vas-y, balance ça. Attention déjà, hop, voilà bébé, déjà ça fait plaisir. Et tiens, prends le diamant, fais-toi plaisir. Vas-y. C'est toi qui l'as trouvé, c'est toi qui récupère. C'est comme ça. Oh, merci. Oh, je suis ému. Oh. Voilà, parfait. Ouh, bien en plus. Gros. Oh. Juteux. Il y en a au plafond. Ah. Oh là là. Bordel, juteux. Félicitations. Est-ce que tu peux m'envoyer une torche? Je crois que je peux en mettre une en main gauche avec un plugin, je sais pas quoi, que Louis a installé. Ça marche la torche en plein gauche? J'ai essayé plus tôt, mais. Non, c'est, moi ça ne l'éclaire pas. Hein. Je le tiens. D'ailleurs, ce serait bien. Comment on fait, Louis, pour le mettre en. Ah non, elle éclaire pas. Elle éclaire pas. Ok, alors là maintenant, voici la prochaine stratégie. T'es prêt ? Ouais, On va partir dans le sens où tu veux, donc préférablement dans ce sens-là. Et là, il faut faire deux cubes. Non, attends, deux cubes d'espace, tu vois. Voilà, deux cubes d'espace. Ah ok. Donc toi, tu te mets en ligne droite, voilà. Pourquoi ? Parce que du côté où tu vas voir ton mur. Ah, j'ai trouvé un truc, c'est de la redstone, on s'en bat les couilles. C'est pas grave, creuse en ligne droite, on s'en fout dans ce cas-là. Vas-y, du côté de ton mur, tu vas voir le diamant. Et moi, de mon côté du mur, je vais voir le diamant. Tu comprends pourquoi il y a deux d'espace entre nous ? Ok, je comprends. Très bien. Il va bientôt y avoir un coffre, pense à drop tout ce que tu as de valeur et à le laisser ici. D'accord, tu comprends pour de vrai. c'est pas juste. Évidemment, pourquoi tu remets en question le fait que. Non, parce que t'as dit je comprends. C'est mon intonation. Non, c'est pas ça. Ouais, c'est ça, c'est l'intonation. L'intonation était tellement deadpan, genre. Ouais, bien sûr, je comprends. Je vais te dire quelque chose à propos de mon intonation. Je vais te dire quelque chose dans très peu de temps. Elle m'a complètement trahi, cette intonation. Tu comprends? D'accord, ok. Vas-y, j'avance, je suis en ligne droite. Bien sûr. Et puis on pourra revenir juste un peu avant et partir à gauche, puis à droite, toujours avec deux d'espace en fait. J'ai plus de pioche en fer parce que j'ai plus de pioche en. Non, dans ce cas-là, reviens et prends une pioche en pierre. J'en ai, regarde, dans ce cas-là, je creuse les deux trous qui nous séparent. Regarde, bouge pas. Vas-y. Tac, voilà. Vas-y, fais péter. Torche. Et voici une pioche en pierre parce que bien sûr, j'ai préparé les goûters avant de partir à la colo. Non, mais quel homme, vous vous rendez compte? Cool dad! J'ai de l'or, excellent. J'ai de l'or, mon ami. Excellent. Ce qu'il nous faudrait par contre, c'est du fer, et ça, c'est un problème. Ouais, ça, c'est un problème là, ouais, c'est clair. Parce que là, on a de quoi. Peut-être qu'on est trop profond, il n'y a pas une histoire de on est trop profond, un truc comme ça? Tu en trouves partout, tout le temps, mais là, surtout, ce qu'il nous faudrait. J'entends des chauves-souris par contre. Une chauve-souris, ça veut dire qu'on s'approche d'une caverne naturelle. Caverne naturelle, ça pourrait être très juteux, ça pourrait être très dangereux. Mais très risqué aussi. Ouais, c'est ok. Ça. Donc je vais bifurquer, avançons. Tu vas me suivre. Attends, voilà. Regarde, tu vas bifurquer là. Vers où? Vers la gauche ou vers la droite? Regarde, là. Waouh, c'est une belle bifurcation, ce que je vois. On va bifurquer à gauche. C'est le mot bifurquer. Ok, je viens avec toi, je fais deux d'écart vers la gauche, du coup. J'ai fait les deux d'écart, donc tu continues la ligne droite. Ah ok, tu les as déjà fait, ok, t'es le boss. Oh non, Dorpaxio, il a quitté... Ah oui, non, pardon, c'est le dev, c'est bon, excuse-moi. C'est du fer, idiot. Ah, mais attends, c'est du fer que j'ai trouvé. Excellent, c'est pas de l'or. C'est peut-être la luminosité qui était faible qui t'a perturbé. Dans ce cas-là, remonte au four. Non, c'est peut-être le QI qui manque éventuellement. Non, mais dans ce cas-là, regarde. Pleine vitesse, on remonte au four. Vas-y, je vais au four, j'y vais. Je vais au four, t'inquiète, je le mets dans le four. Par contre, si on le fait fondre, ça ne marchera plus pour les points. Donc ça, c'est le seul défaut. Non, justement, ça compte pour les points. Ça compte, faut le fondre pour les points. Ah, il faut le fondre. Ouais, faut le fondre. D'accord.
Alors, je suis en train de faire un truc qui est chiant et long, mais c'est un truc que j'appelle. Merci le chat, heureusement que vous êtes là. Heureusement que vous êtes là pour rattraper mon manque de. Je sais pas si t'as remarqué, en descendant et en remontant les escaliers, mais qu'à chaque fois que tu te cognais la tête contre le bord, c'est en mode pou, pou, ouais. Pou, quand t'as... Ouais, c'est relou. Je suis en train de virer les blocs du dessus. C'est lent, c'est chiant, mais. Enfin, c'est chiant, c'est lent, mais c'est ça nous fera gagner du temps. C'est du confort, oui, okay. Tout à fait. Je mets dans le four, du coup, à l'étage, ok. Tout à fait. Ok, c'est fait. C'est fait. Normalement, il y aura assez pour que ça fonde. Et du coup, quand tu remonteras, tu pourras recraft un truc en fer si t'as envie, ok? Absolument. Absolument. Hop. Et le truc en fer, je pense. Vas-y, avançons, avançons, avançons. Hey Bob, dans 40 minutes, la game, elle est finie. Hein. Je pense qu'on est un peu trop chill. C'est pas grave, c'est pas grave. Oh, on a chill. T'arriveras pas à sinon, me stresser. Sinon, fallait mettre le four en bas. Les gens ont raison, fallait qu'on fasse un four en bas. On est trop con, on perd trop de temps à faire. Je vais l'installer en bas. Va aussi... récupérer le four et ce qu'il y a dedans. Et descends-le et moi, je continue. Je suis en train de réfléchir. Okay. Et ce que je voulais créer, en fait, mon cher Squeeze, c'est un bouclier qui nécessite un de fer, je l'accorde. Mais qui, avec clic droit, permet de nous défendre et d'absorber énormément. Ok, essaie de le faire avant qu'on aille choper le coffre qui apparaît dans l'arène, comme ça on est au top. T'en penses quoi? Ouais, je pense qu'ils en auront tous un, ils sont trop malins, mec. Hein. En face, ils sont forts. Hein. Idéalement, je suis d'accord. Putain, j'ai pas de. Voilà, très bien. Tac. Ah, j'ai entendu les chauves-souris, moi aussi, là. Ouais, tu vois, j'essaie d'aller vers les chauves-souris, moi, c'est le but. Parce que si tu vas vers les chauves-souris, okay. Ça veut dire qu'il y a la caverne naturelle, et s'il y a la caverne naturelle, tu peux peut-être trouver des choses juteuses. Okay. Je suis en train de revenir avec le je vais avoir besoin de lumière bientôt, je m'en sors, il fait un petit peu noir, mais... On a toujours pas trouvé de charbon aussi, c'est chiant ça. Ouais, c'est pas de chance, mais j'ai peut-être optimisé trop pour le diamant et pas assez pour tout le reste, donc c'était peut-être l'erreur. Pour le four... Là, c'est calme, les gens ont raison dans le chat, excuse-moi, je te coupe, mais dans le chat, les gens ont raison, c'est... Oh mec, j'arrive à la sortie. Félicitations. J'arrive à la sortie. Excellent. Et j'ai dû faire. Du fer, fais cuire ça, j'ai encore ça, ça devrait être bien, il me reste deux torches, ce qui est peu. T'as du fer, excellent. Et là, j'ai il du va fer. La sortie. Bon, et ben on panique pas. Ça se trouve en fait. Ah, en faisant attention, vois, y a du... ouais. Excellent, de la lave et bien, c'est très bien ça, si ça monte. Mais là, on peut aller se gaver, non? Il y a du charbon partout. Voilà, c'est ça, il y a du charbon partout, mais il y a surtout des monstres partout, donc restons extrêmement prudents. Ouais, surtout que c'est en mode hardcore, hein, donc voilà, ce bon. Serait dommage de mourir comme un caca sur un bête strum nul. On sera ni les premiers ni les derniers, mon ami. Oui, mais si on pouvait éviter d'être des dwagby en puissance, voilà. Oui, j'ai vu ton best-of. Ok, mais pas des squeezies du coup, genre ça veut dire dans le best-of, je t'ai convaincu en termes de prestations. Ton ignorance était pardonnable. je te remercie. Mais ça paraît naturel. Je vais enfin pouvoir faire des torches, ça me fait plaisir. Écoute, t'as bien vu comment j'étais moi la première fois sur Garry's Mod. Hein. J'étais là, où suis-je? Pourquoi me parlez-vous? Qui sont ces gens? Ouais, c'est compliqué. C'est qu'une question d'habitude. J'ai 16 torches, donc c'est bien, on est à nouveau éclairé. Voilà, très bien. Très bien, donc ça c'est la petite caverne naturelle. Et de l'or, regarde au plafond là ce qu'on a raté. Viens voir. Non, tu rigoles. Va y avoir l'arène, Bob, je le sens. Putain, elle met la pression, cette putain d'arène, elle met longtemps à arriver là. De l'or, t'es sûr que tu veux faire la raid? Oui. Bah pour moi on drop tout ici, y'a aucune raison qu'ils trouvent notre grotte et qu'ils arrivent ici en fait, c'est pas possible. Ça sent la traîtrise. Mais la traîtrise de quoi? Ils pourront jamais... La traîtrise du chat! Non, le chat nous trahira pas. Le chat nous trahira pas. Moi j'ai confiance en eux, ils nous ont aidés, je suis passé à côté du fer, ils m'ont aidé. Les lynx et Terracinker nous trahiront parce que t'as promis une statue. Il y a Redlord, t'as vu ou pas qu'il y a Redlord à droite pas, là-bas? C'est là. Pas de l'or, c'est du fer, mais j'apprécie. Eh ben, je suis un débile, ok. J'apprécie ton excitation. Merci. Ah putain, là tu vois, regarde, vers le nord, au plafond. Au plafond, il y a des trucs ouf, t'es prêt? Regarde ça, au plafond. Attends, je suis en train de prendre le fer qu'il y a là-haut. Alors, il y a du fer là aussi en bas à gauche. Putain, on se régale. Link a trouvé des diamants. Là, okay. Très bien. Sauf que Stashimi. Qui a trouvé des diamants? Link. Oh bah nous aussi. Mais nous aussi, exactement, c'est pour ça. Mais spoilez pas les gens dans le chat, dites pas où en sont les autres, c'est pas le... Alors attends, par contre quand tu fais des escaliers, essaie de les planifier. Y'a deux zombies qui arrivent. Panique pas, tu prends ton épée, tu t'appuies. Je suis pas en panique, qu'est-ce qui te fait dire que je suis en panique, Bob? Pourquoi tu crois que je panique? Est-ce que tu m'as tiré trois flèches? Est-ce que tu m'as tiré une flèche? Non. J'ai senti une flèche. Les zombies n'ont pas de flèche. Bob. C'est des zombies. C'est bon. C'est des zombies. Oh, putain, lâche tout. Tout ce que t'as par terre. T'es prêt? Alors tu m'as tout jeté, mais oui.
T'es prêt? Ouais, vas-y, vas-y. C'est parti. Alors malheureusement, j'ai mon ma fausse pierre. Ils sont là. Je comprends pas comment on fait. Je comprends pas comment on fait pour le déverrouiller. Tu cliques droit, hein, tu attends. J'ai tout. Et ben, j'ai tout. Retourne à la base et pose tout. Retourne à la base et pose tout. Et on est quelle base? La rouge? On est quelle base? Rouge. On est resté dessus. C'est ton propre jeu. Essaye de suivre. Laisse-moi galérer. Gdwagby, j'ai eu le coffre. J'ai pas compris qu'il fallait attendre et je l'ai eu. Qu'est-ce que tu fais, Gdwagby? Voilà. Bob, je suis mort. Ce que j'ai eu. Bob, j'ai eu 8 lingots d'or, une émeraude et un diamant. Ça valait le coup. Est-ce que t'as tout posé? Alors, je suis mort, par contre, j'ai perdu ma pioche. J'ai tout mis dans le coffre de la base. J'ai perdu mes pioches, mais tout le matériel doit être toujours disponible, donc on peut toujours. Et j'ai aussi eu 15 lingots de fer. Mec, on est trop bien. Viens. Bob, faut qu'on fasse tous les coffres, ça nous donne grave de l'avance. Viens, viens. Dans ce cas-là, reviens à l'arrière et on espère retrouver l'endroit. Oh non, si on retrouve pas l'endroit, gros, on est minable. Excuse-moi, désolé les gens, j'ai paniqué, j'ai crié très fort, je me suis abîmé la voix. Mais non, c'est pas de panique. J'ai perdu l'endroit. J'essaie de te faire paniquer, ça marche pas. Mais sale bâtard. Mec, il est tendu. Bisoute un peu. Non, mais fais pas rentrer l'eau. Attends. C'est bon. Mais pas de la cobble. Pec-moi cette cobble. Oh non, ça éteint les torches. Oh non. Reviens. Attends, reviens. T'as les pioches. J'ai plus de pioches. Déjà, j'ai plus d'équipement. Donc, pète-moi ce morceau de cobble, pète-moi cette pierre là. Voilà. Pète-moi la pierre qui est en dessous. Pète toute la pierre en fait. Pète toute la pierre, même s'il y a l'eau, c'est pas grave. Okay. Fais-moi confiance. Voilà. Maintenant, reprends de la bouse, si t'en as, tu devrais avoir de la terre. Du granit ou de la terre? De la terre, de la bouse. J'appelle ça de la bouse, c'est de la terre. Voilà. Et là, rebouche. Voilà, impeccable. Voilà, parce que la cobble, ça ne peut exister que si tu l'as posée, si tu veux. Allons récupérer, allons miner. On a eu un coffre, je te jure, ça va nous donner un avantage incroyable, Bob. La flotte qui continue à éteindre nos torches. Alors, je rappelle que les monstres peuvent apparaître toutes les 8 endroits qui ne sont pas éclairés. C'est pour ça que j'ai essayé de garder ce... Le loot va despawn, faut aller vite le prendre, les gens me disent. Alors, Bob. Le loot va despawn, mais ça prend un truc comme 10 minutes, calmons-nous. Ah, mais pourquoi vous me stressez dans le chat? Moi j'ai un cœur fragile, je prends trop à cœur les choses. Alors le problème c'est que du coup notre tunnel est à moitié éclairé, ce qui fait qu'il va sans doute avoir des monstres qui popent dedans. Il faut pas paniquer, tu prends l'épée, tu tapes dessus. Alors ça devrait bien se passer. Ok, Bob, je crois que. On me dit que c'est 5 minutes. Très bien. Ok, j'ai tout récupéré, Bob. Les diamants, tout. Par contre, j'ai pas la pioche en fer. Mes pioches, j'ai pas eu le temps de les poser, je suis mort avant. Alors, du coup, est-ce qu'il te reste... Attends, panique pas. Est-ce qu'il te reste du bois? Donne-moi le bois. J'ai pas de bois. D'accord, pas de bois. Est-ce qu'il te reste... Même pas un petit bâtonnet, rien? Rien. Rien du tout. Ok, pas de panique. Continue à miner, je reviens. Mais c'est là où que je dois miner. Mais vas-y. Et surtout, t'inquiète. Ne te fais pas surprendre par des zombards nuls ou par. Mais c'est pas mon genre. Tu me commences à me connaître, Bob. C'est pas mon genre. Voilà. Ne fais juste pas surprendre par des Pokémon nuls. J'ai crié fort. Si j'ai plus de voix pour The Event, bah vous savez pourquoi, les gens. Voilà. Vous savez tout simplement pourquoi. Putain, les galeries, elles sont énormes, Bob. Il y a masse charbon. Je vais voir. Je prends un peu la température. Ok, j'ai du fer ici. Attention, parce que cette galerie pourrait peut-être raccorder. Avec, à une autre galerie où ils sont. Il y a du fer, il y a beaucoup de fer là où je suis, mec. Il y a beaucoup de fer, il y a redu fer, c'est une pépite. Hein. Alors, c'est une pépite. Hein. Vérifie avec F3. Il y a redu fer, oh là là, il y a vérifie, du fer attention, partout. Vérifie, c'est de l'or, apparemment c'est de l'or. C'est de l'or, c'est pas du fer, c'est de l'or. Très bien. Vérifie avec F3 à quelle hauteur de Y tu te trouves et surtout, n'oublie pas que là, cette caverne elle a l'air rutileuse et juteuse, mais t'es au-dessus. Ce qui veut dire que techniquement, tu ne trouveras pas de diamants ou peu. Ouais mais mec l'or et le... C'est pas grave, il faut quand même choper. Il y a beaucoup de fer, je te jure, Bob. Par contre pour en choper j'ai besoin d'une pioche en fer. Est-ce que tu peux te charger de faire une pioche en fer ou pas? Eh ben, il me faut du bois et je suis dehors. Je suis revenu dehors et je suis en train de... Et t'as le fer qu'il faut? Parce que j'ai 21 000 le fer, fer est moi, planqué hein. Dans la planque secrète. Tu te souviens et c'est à ça que servait la planque secrète. Ok, je vais te confier 8 milliards de QI. J'avais vu l'ultra instinct du futur, j'avais vu. Je vais te confier. J'arrive, je vais te confier les minerais que j'ai sur moi. Je suis dehors. Ok, quand tu reviens, fais un four et un atelier au niveau des deux couloirs qu'on a fait à la fin qui nous ont menés vers le dessus. Tu vois bien, ou pas? Très bien, oui, je vois. Au virage, les au gens, virage je, des deux je couloirs. Je sais pas si c'est parce que je suis daltonien ou con, mais j'ai du mal à différencier le fer de l'or. Le fer a une couleur café clair, comme un café crème.
L'or, okay. C'est du jaune, jaune Super Saiyan, si tu veux. Ok, bah c'est que je suis con, alors je crois. Bah, c'est pas grave. Il le fait exprès ou quoi, sérieux? Mais les gens, j'ai pas de... Attendez, mais attends, avec ma pioche, je peux aller prendre le fer. J'ai bien ton chat qui s'énerve. Il le fait exprès ou quoi, sérieux? Je sais pas, c'est ce que se dit ton prof de maths quand tu sais pas réciter ta table de 7, si tu veux. C'est pas grave. La patience, les gens, la patience. Écoutez la sagesse de Bob, les gens, écoutez cette sagesse. Moi, il me fait plaisir, je vous dis la vérité. Moi, je suis content d'être avec Squeeze ce soir, je le dis, hein. C'est très agréable de jouer avec lui, parce qu'il s'excite à ta place et tu gagnes un temps fou. Et du coup, t'es vachement plus détendu. Alors qu'auparavant, Fanta avait un flegme, si tu veux. J'ai fait un petit escalier pour qu'on accède au... Excellent. Donc attendez, les gens. Ça, c'est du fer ou de l'or? C'est de l'or, ça. Alors j'ai enfin le bois qu'il faut. Fer, du fer, ok. Je vais révéler la planque. Ok, c'est secrète. Du fer. De toute façon, comme la plante secrète, je vais la vider. Mais non. Comme la plante secrète, je vais la vider de toute j'ai façon. J'ai beaucoup de fer à te passer, Bob. Ok. J'ai tellement crié, j'ai plus de voix, je suis un connard. Voilà, c'est je suis un gros connard. Non, t'es pas un connard, t'es youtubeur, t'es une fraude, mec. Pense aux enfants qui te regardent. Il y a de l'eau qui se déverse dans la grotte. Est-ce que ça veut pas dire qu'il y a une team? Alors, non, vers là? C'est sans doute soit de l'eau qui vient d'ailleurs, soit ça arrive. Disons que ça arrive. Ok. Idéalement, ce que j'aurais voulu, c'est qu'on trouve des creepers et qu'on les bute. Ça nous permettrait de faire de la TNT et de piéger des coffres. Après, tu laisses un coffre bien en visu à l'extérieur et tu laisses Dwagby le prendre, si tu veux. Ah, c'est pas con. Ce que tu dis, c'est pas non, con. Non. Ça aurait marché si la partie avait duré 3 heures. Mais là, tu fais 3 parties d'une heure. Alors, bon, attends, je veux pas me perdre dans cette caverne où il y a immensément beaucoup de fer. Énormément de fer. Très bien, je vais pouvoir crafter des pioches et tu vas pouvoir venir avec moi et on va farmer cette grotte, ok? C'est parti, une pioche en fer. Tu veux combien? 2 pioches en fer? Une chacun? Allez, une chacun. Ouais, une chacun. On a pas besoin de plus. De toute façon, sinon, on va se faire bougner. Je descends. Je vais te filer un. Est-ce que là t'es devant les deux couloirs, tu sais qu'il y a? Okay, je vais mettre. Pardon. Merde, j'ai pas de torche. Parfait. J'ai pas de torche, je vais faire cuire du charbon. Je vais faire Ah non, t'as du charbon. Non mais je sais les gens qu'il y a du fer et du diamant là-bas, mais il faut juste qu'on prenne les pioches. Déjà, voilà ta pioche. Ensuite, mais donne-moi du charbon. Merci, frérot. Tiens, 24 charbon. Très bien. Je vais te filer aussi tous les minerais. Mais non, parce que j'ai beaucoup de minerais. On les met où? Alors bouge pas. Voici déjà des torches. 22 torches. Garde-les dans j'en ai 26, t'inquiète, j'en ai 26. Eh ben, très bien. Déjà, je vais en mettre deux là, de manière à ce qu'on comprenne qu'ici, c'est le point de craft, si tu veux. Ensuite, où est-ce que tu veux qu'on planque tout ceci? Il y a un creeper qui a explosé dans ma grotte, il y a une team pas loin apparemment, mec. Alors, on panique pas, dans ce cas-là, on va continuer. Bob, je vais me tourner, est-ce que tu peux cacher un coffre et dedans, tu mets ce que je te donne là? Souviens-toi où sont les coffres, faudra tout mettre dans la... Tiens. J'y travaille. Je t'ai tout donné. Eh ben, je vais planquer le coffre, donc va dans la caverne, va loin, t'as la pioche, va chercher le diamant. Ok, je vais farmer, vas-y, je vais farmer. Va chercher bonheur. Et j'espère juste pas tomber nez à nez avec une team, tu vois. Mais bon, au pire, c'est pas grave, toi, t'as les diamants et tout, t'es en sécurité, ok? Absolument. J'y retourne, je te tiens au courant de ce que je vois. Let's go. Aucun souci. Les gens, je prends 100 fois plus de plaisir que la dernière fois parce que tout est fixé et surtout je connais mieux le jeu que la dernière fois donc j'ai un max de plaisir. Voilà, c'est sûr que si tu découvres. Par contre, moi sur mon restream, ils sont dégoûtés. Hein. Ça va être sympa pour le restream, pour le best-of et tout, vu que la moitié de mon temps je suis en écran noir si tu veux. Pourquoi t'es en écran noir? Planquer la planque! La planque! Ah, mais c'est pas grave, c'est notre petite strat, t'inquiète pas. Évidemment, c'est notre petit secret. Mais, c'est notre petit secret, c'est, Bob. C'est toi et moi, Bob. C'est beau ce que tu Alors là, il faut que je récolte le plus les minerais. Est-ce qu'il y en a? Si vous envoyez les gens dans le chat, dites-moi si je passe à côté. Ah, il y en a là. La caverne est grande. Hein. Je t'avoue, j'espère pas tomber sur une team. Hein. Putain, j'ai peur. Hein. Moi, ce qui me fait peur, c'est qu'on trouvera pas de diamants dans cette caverne parce que c'est le. On n'est pas à la bonne couche. Ouais, c'est exactement ça. Il faut descendre. Il faut descendre plus. Il faut donc faire fondre le minerai pour que ce soit valide. On est d'accord. Hein. Ouais. Très bien. Je crois. Hein. Louitos, reconfirme-moi ça, s'il te plaît. D'accord. Dans ce cas-là, je l'enlève histoire de confirmer. Non mais dans tous les cas quand tu le fonds ça fait pas perdre de points c'est sûr. Mais d'accord. Est-ce que c'est obligatoire de le fondre? Je sais ça que je sais pas. Ah d'accord. Tu vois le bail? Ouais. Au pire je pense que voilà c'est un truc qu'ils pourront. Il y a un truc qui a pété juste à côté de moi. Alors, j'ai entendu une explosion juste à côté de moi. C'est très probablement un creeper donc tu paniques pas. Tu flexes pas, tout va bien. Mais pourquoi il y aurait un putain de creeper qui a Parce explosé a et monstres. Qui est pas du tout à côté de moi? Parce qu'il y a d'autres gens. Ah bah oui forcément. Absolument, mais il y a d'autres gens, d'autres joueurs. Là, t'as entièrement raison. Alors, attends, une seconde. Tac, je remets mon écran parce que j'ai tout planqué. Donc, les gens ignorent où ça se trouve. Et là, on a une belle réserve. On est dans la merde.
Je vais tomber sur une team, c'est sûr. Et je vais venir vers toi en courant très, très vite. Alors par contre, comme t'as pas balisé ton chemin avec des torches, j'ignore où tu te trouves en fait. Je viens te chercher, ça met 4 secondes si je viens te chercher. Je viens te chercher, t'es prêt? Ouais. Vas-y, j'arrive. Je sens que... Il y a une team pas loin. Est-ce qu'on leur tombe pas dessus? Tiens, attends, okay, bouge là, pas, viens là. Ah non, pardon, je croyais qu'il fallait que je te donne un truc. Regarde, donc là tu n'oublie montes comme ça. N'oublie pas de t'accroupir avec C, moi c'est contrôle, mais avec C aussi, qui te permet de t'accroupir et donc de faire disparaître viens avec ton moi, nom. C'est de l'autre côté, viens avec moi de l'autre côté. Si tu t'accroupis, tu, là, fais disparaître, fait... tu fais disparaître ton nom et on te verra pas à travers les murs. Il y a des gens pas loin de nous, je pense. Donc là il y a deux chemins possibles, soit à droite, soit à gauche. Regarde à en bas. À droite, par ça attends, descend. Mais... Attends, mais. C'est de la lave, t'inquiète. Ouh, accroupis-toi, on voit les noms là au-dessus là. Oh putain, il y a une team. On leur tombe dessus ou pas? On a tout caché? Non, on leur tombe dessus ou pas? Juste là, il y a du fer, donc c'est gratuit. Ok, mais ils arrivent, ils sont juste au-dessus, ils sont en train de piocher pour nous rejoindre, c'est sûr. Ils sont en train de piocher pour nous rejoindre, c'est sûr, Bob. T'as tout caché dans le coffre, t'es sûr? Oui, et au pire, non seulement j'ai tout caché dans le coffre, mais en plus, regarde, je récupère les ressources et je vais les menacer. S'ils viennent, je jette le fer dans la lave. Et si je jette non, le fer dans la lave, ils s'en battront les couilles, Bob. Si je jette le fer dans la lave, ça fait pchit, et du coup je peux perdre, mais moi je m'en bats les couilles. Parce que même si j'ai perdu, ils ont perdu les ressources. Ah, effectivement, Bob, ils ont bien sur moi. Sur moi, j'ai 13 fers et 2 or. On va les perdre si on engage ce fight. Faudrait qu'on aille sécuriser avant. Ouais, je regarde juste rapidement pour voir s'il y a rien dans cette caverne. Et non. Ah, hein. Oh, il y a de quoi enchanter nos stuff, Bob. Ah, faut oh, prendre ah. ça. Il y a des tables et des trucs de craft, hein, effectivement. Hein. Il y en a à la base. Est-ce qu'on prendrait pas tout ce qu'il y a dans les coffres et on le ramène à la base? On fait un premier saut à la base maintenant? Ou c'est trop tôt? Qu'est-ce que t'en penses? C'est trop tôt, mais je dirais peut-être oui. Faisons ça. Je continue à explorer rapidement sur tous les endroits qui sont pas torchés. Ça veut dire qu'ils y sont pas allés. T'es parti où? Quelque part, j'arrive, je regarde juste. Ok, je te vois. Faut pas qu'on se perde, Bob. Là, faut pas qu'on se perde, fais gaffe, vraiment. Il y a une team pas loin, vraiment, fais gaffe. Putain, on est perdu, Bob. Ça y est, on est perdu. Non, on est pas perdu, panique pas, regarde. Demi-tour. Tu longes ensuite le mur sur la gauche. Voilà, il y a la torche au sol, tu vois, j'ai fait exprès. D'ailleurs, regarde, il y a même du fer là qui traîne. C'est beau ça. Ok, je vais le prendre, t'as raison. Bob, tu es vraiment. Détendu. Sage et mature. 39 et de moi, fièvre. Je suis immature 30... et excité. Mais non, t'es adorable. 39 de fièvre face à un homme, de toute façon. Tu peux prendre l'homme le plus excité de la planète, tu lui mets 39 de fièvre, je te jure que ça va le calmer tout de suite. Bah oui, direct. Je suis en plein là-dedans, voilà. Hein, t'inquiète pas. Le seul truc qui va le lever éventuellement, c'est sa gonzesse qui vient, si tu veux. Et là, il y a une tour en cobble. Donc là, il y a des trucs en cobble. Effectivement, c'est complètement humain et humanisé ici. Hein. Ouais. Ouais. On fait quoi? On retourne caché dans les coffres et on va fight ou pas? Ouais, on fait ouais, quoi? Mais là j'ai vraiment perdu le chemin à la base en fait. Ah moi j'y suis. T'es où? Est-ce que t'essaies de voir mon nom? Je vois ton nom. Bouge pas. Vas-y viens rejoins-moi. Au visu. Rejoins-moi. Je suis là où t'es descendu vers le bas. Tu sais pendant que j'étais en PLS ouais, parce que je voyais le pseudo. Je te vois. T'es là. Il est toujours au-dessus. Hein. Ils sont toujours au-dessus. Hein. Et ben c'est très bien. Ils sont au-dessus. Ça veut dire qu'ils sont sur le terrain. Ils sont sur la terre au-dessus. Ils sont sans doute à leur base. On est sans doute en dessous. Ouais ils sont. Donc pas de panique. Okay. Alors du coup rentrons. C'est quel côté, tu sais ou pas? C'est là-bas. Je te suis. Il reste 25 minutes, va y avoir un coffre dans pas longtemps. On refait comme on a fait tout à l'heure s'il y a un coffre, ok Bob? Oui, pas tu tout les aussi. Occupes. Ça peut être intéressant d'aller à... C'est par là. Ça peut être intéressant d'aller à la base pour Attends, pourquoi ça descend là? Ah oui, okay, non, ouais, c'est bon. Vrai que c'est ça, ouais. Pour mettre des enchantements et pour qu'on puisse fight en fait, tu vois. Je sais pas. Des enchantements, je suis que level 4. Ça vaut le coup d'essayer de mettre des enchantements level 1 sur un peu tout, hein, si tu veux. Je suis level 7, moi, tu vois. Est-ce que je prends tout dans les coffres secrets? Attends, Bob, tiens, déjà prends-moi mon or et mes 20 minerais de fer. Voilà. Et prends tout ce qu'il y a dans les coffres, on ramène tout à la base. Maintenant, on fera. Non, je refuse. Je vais faire deux allers-retours. Déjà, un aller-retour pour voir si ça hack pas le stream. Et que ça nous fait pas une doigt de c'est pas possible, c'est pas possible. Ils feront jamais ça. Bob, je suis d'avis à pas perdre de temps. T'as caché des coffres. Laisse les coffres cachés. Mets tout dans les coffres et on ramènera tout à la base. Louis, et viens, fais les boucliers. C'est important pour fight à l'arène. Faut qu'on ait des boucliers. Je vais faire là, les boucliers alors tout de suite et je vais tout poser dans les coffres. Accorde-moi une seconde. Écran noir, bien sûr. Va. Ok, vas-y. Je t'attends. Je suis face au fourneau. Je t'attends. Face on est bien là. Mer. Franchement, on est bien, Bob. Tu rêves de mourir. Alors attends, bouge pas. On a 30 lingots de fer, hein, ça déconne zéro. Il faut qu'on fasse fondre les choses, Bob. Est-ce qu'on fait... Je vais faire 3 fours et on va se mettre à tout faire fondre. Pas de panique, okay. Non, t'as pas besoin. Non, c'est bon, ça fourre. Ça fond parce que j'ai mis un four dans la base secrète. Bien sûr, parce t'es que un je malin. Suis lucide. Et ça fond vite, ça fond assez vite. Oh
autant qu'on a des... Ça fondouille, ça fera. Il y a du charbon dedans. Le charbon est très durable. Donc, très bien. Donc, ça, c'est fait. Maintenant, je vais faire un bouclier. Bouge pas. Est-ce que je refais des pioches? Parce que j'ai 7 lingots de fer sur moi, en fait. C'est juste par acquis de confiance. Ce que je vais faire, Bob, c'est que... Est-ce qu'on retourne dans la grotte où il y avait plein de choses ou est-ce qu'on bifurque là? Merde, c'est pas... Attends, c'est pas ça le bouclier? Shit. Comment on fait un bouclier? Excuse-moi. Est-ce qu'on bifurque maintenant ou pas, Bob? Ah, d'accord, je me suis trompé. Alors, une seconde. On bifurque maintenant ou pas, Bob? Ça veut dire... Ah oui, bifurquer, oui, bien sûr. Intelligent. Deux boucliers. Oui, bifurquons. Bah, reviens. Où est-ce que tu vas? On va pas se faire chier à se les taper. J'ai peur. Au fond du truc. Regarde, je vais même être malin. Vas-y. Avance. Regarde. Poum, poum. Voilà, bêtement. Et ils auront l'impression que, oh là là, mais c'est la fin de la ligne. Voilà, tu vois. Ils sont jamais allés creuser plus loin que ça. Et ils vont s'arrêter comme des débilus. Nous, on tourne à droite. Okay. Allez, à droite. Hop. Vas-y. Prends. Du coup, alors attends. Du coup, on va tomber sur le coffre secret. Ouais, on va tomber sur le coffre secret, donc c'est baisé. Reviens un peu. Voilà, un peu plus tôt. Voilà, à partir de là, disons. Ok, vas-y, je vais détruire. De toute façon, c'était cramé, si tu veux. Est-ce que tu peux me faire un truc en fer? Parce que là, je pioche avec mon truc en. Un truc en pierre, pardon. Et là, ben, je pioche avec ma truc en fer. Ouais, moi aussi. Il me faut de la cobble. Attends, une petite cobble de plus et je fais ça. Cobble, c'est la pierre j'en ai plein, pétée, si bien de la sûr. Cobble. J'en ai plein. Tiens, regarde, je vais te filer de la cobble. Non, c'est bon, c'est bon. Oh, joli. Creuse autour de la lave pour le diamant. Ah ouais. Tu veux pas qu'on retourne à la couche du diamant pour essayer d'en retrouver? Ah, mais c'est on vrai, est à la couche du vrai, diamant là. C'est vrai que la lave, quand il y a de la lave, ça sent bon. Parce que de la lave, en fait, quand il y a une caverne de lave, ça veut dire que t'as une petite caverne. Faut faire très attention, mais comme c'est une petite caverne, c'est très facile de trouver du diamant si tu veux. C'est parce qu'il est sur les murs. Non, c'est une mauvaise idée. Viens, on va voir. C'est une mauvaise idée. Je vais voir. Je prends le risque. Je prends le risque, Bob. Alors si tu prends le risque, remets les murs de bouse sur la route. Je prends le risque, Bob. Je prends le risque et rien ne me... Corps d'arène, lâche tout. Attends, dis-moi quand on peut se TP. J'ai lâché la pioche. C'est bon, toi t'as tout lâché ou pas? Ouais, j'ai tout lâché, vas-y. T'es prêt? Ok, go. Je suis prêt. Vas-y, vamos. Ok, ça va fight. Il m'a poussé dans la lave, mais je l'ai empêché de prendre. Je vais die 100%, je suis mort. Et toi? Ok. Ah, je suis mort, bien joué Terra. Putain, il nous a ken. Viens, on le cueille en haut de l'échelle. On le cueille en haut de l'échelle. Go. Attends, je respawn dans 3 secondes, dans 2 secondes. Il a été ouvert, faut que je le nique en haut de l'échelle. Ah, je le vois. Bâtard. Ah, putain, il l'a eu. Ils l'ont eu. Terra et Fuse, ils sont bien du coup. Ils jouent bien. Le buter lui. Ça joue les arbres. Ça joue les arbres. Mais c'est toi qui me tirais dessus. Mais lol. C'est pas grave. Okay, ils l'ont eu. Okay. C'est pas grave, regarde, on peut les bêtement les charger aussi, ça marche. Hein. Viens, on perd pas de temps, Bob. Là, on est tous en train de perdre du temps alors qu'ils ont une coffre. Mais il était affaibli déjà, lui. Voilà, il est mort. Il était affaibli, voilà, ça l'a tué. Surtout, ça lui fait perdre tout le matos, c'est ça qui est important en fait. Non, il le récupère en fait. Non, mais les pioches, tout le merdier. Ok, retournons à la grotte. Retournons vite à la grotte parce que j'ai eu le temps d'abandonner mes pioches. Pas mon bois, mais mes pioches. Attends, viens, tant qu'on est à la base, on se fait de l'enchantement, Bob. Excellente idée. Bah vas-y, enchante-toi, moi je vais récupérer du bois. Voilà déjà. Et je vais m'enchanter dès que t'as fini. Mais il nous faut un peu de bois, sinon on peut pas faire de pioche, on peut pas faire de poignée, on peut pas faire de putain, mais j'ai tout perdu. J'avais pas mis hors de mon inventaire. Voilà. C'est pas grave. C'est sans importance, on a tout ce qu'il faut. Il nous reste 20 minutes, tu vois, on est bien. Ok. T'es prêt? Tu vois où c'est ou pas l'entrée? Oui, je sais où c'est, t'inquiète. Je sais plus où c'est, t'es où toi? C'est derrière la base. Tout va bien. Attends. 8 de bois devrait. Je crois que c'est là, attends, laisse-moi voir. Ouais, je crois que c'est là. Ouais. Et n'oublie pas de remplacer par de la bouse et pas de la pierre. C'est-à-dire, tu remplaces... Mec, Fuse et Doug ont repéré mon entrée! Fuse et Doug ont repéré l'entrée, ils m'ont spawn, ils sont venus derrière WAM, gros! Ah, fais gaffe! Bob, fais gaffe! Bah, je me fais gank. Je suis mort. Est-ce qu'ils ont repéré l'entrée ou pas? Ils ont repéré l'entrée sans doute, sans aucun doute. Non, ils ont pas repéré, ils se barrent. Attends, je suis en train d'aller vers eux pour les ken là. Ah, ils ont pas repéré l'entrée, on a de la chatte. Spoilez pas les gens dans le chat, allez pas spoil. C'est sûr, ils ont pas repéré l'entrée? Où est-ce qu'ils sont repartis? Non, ils l'ont pas repéré, ils sont enfuis là. Je suis remort, non, ils sont toujours là, je suis remort, je suis en train de respawn. Ah d'accord, il est là, ouais, ok. Mais pourquoi ils viennent là? Je comprends pas pourquoi ils viennent là. Je sais pas, pour essayer de nous empêcher de... Ils veulent sans doute récupérer du bois ou essayer de nous faire chier sans doute. T'es où? Viens, on se réunit, Bob. Alors t'es non, où? Attends, je suis dans la forêt, je suis en train de chasser un Dwagby, si tu veux. Ils ont pas grillé l'entrée, en tout cas. On a de la chatte. Ils ont pas grillé l'entrée.
Est-ce que tu as ramené tout le minerai à la base ou pas? Ce serait peut-être prudent de le faire dans pas trop longtemps. J'ai pas ramené le minerai à la base, tu sais que tout est dans le coffre safe. Ouais, caché, ok. Ok, tu reviens Bob, on s'y remet? Ouais. Et on referme l'entrée, on essaie de le faire discrètement. C'est toi qui cours là-bas au loin? Ouais, c'est moi. Vas-y, ramène-toi mon pote. Pourquoi ils vont vers là-bas? Alors il nous faut du bois, c'est par bizarre. Contre. Entrée ou pas entrée, ça change rien, il nous faut du bois. Si on n'a pas de bois, ça sert à rien d'éliminer, on n'aura pas. Ah ouais, le stuff, faut qu'on aille chercher le stuff qu'on a lancé par terre. Bob. Absolument. Et on a 5 minutes, c'est 5 minutes de despawn si tu veux, donc tout va bien. Il en reste encore. Vas-y, 3, viens avec moi, let's go, viens. Attends une seconde, il me faut du bois, j'ai dit. Ok, j'ai refermé derrière moi. Sans bois, ça sert à rien, on va juste y aller pour faire un aller-retour si tu veux. Et qui dit okay. Aller-retour dit risque, donc tout va bien. Ok, t'y es. Voilà, très bien. Ok, donc ça c'est pas mal. T'as encore refoutu de l'eau partout. Mais non, il y a des gens qu'on spoil. Spoilez pas les gens, spoilez pas oh dans non, les chats. Hein. Mais si attention. Ça c'est dégueulasse. Si vous faites ça, je préfère jouer sans écran. Je laisse juste la webcam. Hein. Moi je fais ça, hein, je m'en bats les couilles. Hein. De toute façon, Twitch, j'ai jamais fait ça pour l'argent, les enfants. Ça y est, il se livre. Il commence à se livrer. La news est terrible. Évidemment. Vous voyez, blessez pas Bob parce que c'est le plus gentil du monde. Vous avez pas le droit, hein, les gens là. Il y en a qui cafent chez Fuse. Ah ouais. Ah bah ouais, évidemment, ouais. Qu'est-ce qu'il foutait là? Qu'est-ce qu'il foutait là? En espérant que ça puisse endiguer tout ceci. De toute façon, hein, on va interdire la manière de... dont t'as ouvert le truc fait qu'il y a de l'eau partout. Très bien. C'est bon. Je suis désolé. C'est pas grave, ça nous ralentit juste. Je suis en train d'avancer autour de la lave, au cas où. Ok. Ok, t'es à la lave, c'est-à-dire... D'accord. Oh, j'ai juste eu le temps. Oh putain, j'ai récupéré mes pioches. Excellent. Putain, y'a où de la lave. Est-ce qu'on fait un retour à la base avec tout ce qu'on a ou pas? Pour être sûr qu'on est tranquille, t'en penses quoi? Je sais pas. Parce que ça ressemble à une fusillade. À une fuse 3, si tu veux. Ça ressemble à une fusisterie. Voilà. Ça ressemble à une suggestion faite par l'ennemi. Pour qu'il nous chope et qu'il nous baise. Ouais, clairement, si tu veux. Ah ouais? Je sais pas. Je suis pas chaud. Pas pour l'instant. Il reste encore un quart okay. d'heure, on est pas mal. Je fais un peu le tour de là où il y avait de la lave, voir s'il y a un endroit où il y a du diamant. Ok, je vérifie qu'il n'y a rien ni personne si tu veux. Vas-y. J'y vois plus rien malheureusement là où je suis. Donc j'ai perdu mes repères. On fait un retour à la base ou pas Non, pas encore. Ça fait 5 fois que tu demandes un retour à la base comme si tu voulais. Ouais, mais ça me stresse, ça m'angoisse quoi. Putain. Je comprends bien. Déjà, je vais ouvrir le coffre. Je vais ouvrir le coffre secret. Afin de vérifier qu'il n'y avait absolument pas touché. Voilà, c'est important. Enfin, attention à la réapparition du coffre pour ramener les trucs. Ouais, changer d'entrée. Attention, Fuse arrive. Ça spoil avec Doag. Non, vous rigolez. Ils vont venir. Non. Fort heureusement, j'ai gardé le coffre secret. Ça poucape chez Fuse. Ah ouais? Putain, c'est dégueulasse. Fuse s'est fait spoil sur l'entrée. Non, bon, les gars, vous rigolez. Très bien, dans ce cas-là, pas de panique. On retourne à la base avec tous les minerais? Dans ce cas-là, pas de panique. La stratégie B22. Stratégie B22. Faut pas que tu me regardes, hein, parce que sinon. Moi je suis en écran noir. Je te regarde pas. J'attends de voir si ça arrive. Tu as des torches? Ils vont nous attendre devant la base en fait. Ils vont nous camper devant la base en fait, Bob, tu vois. Faut qu'on ramène tout maintenant. Ah, et eux du coup ils ont rien du tout en fait. Je sais pas, mais on ramène tout. Comme ça on est tranquille, nous on est serein. Comme ça c'est déjà ça de gagner. Et ensuite on farm pendant les 15 dernières minutes. Dans ce cas-là, alors attends, bouge pas. Ne regarde pas. Ne regarde pas ton inventaire non plus. Comme ça, ils ne sauront pas ce que tu as, sauf si tu veux t'arrêter. J'étais en train, mais ok. Non, mais ils streamhack pas, c'est juste les gens dans leur chat qui vont leur dire en fait. Bien sûr, mais acquis de conscience. Voilà. Par devant, tout va bien. Ok, je mine, hein, j'arrête d'AFK parce que là, j'AFK, je vais miner en attendant, ok? Par devant, non, bah, on rentre à la base. Hein. On rentre à la base, c'était le but, je crois. Hein. Mais moi, j'ai pas de minerai, donc je fais quoi? Bah tu y vas, et surtout tu n'as pas regardé dans ton inventaire et tu as du minerai, c'est juste que je t'en ai passé si tu veux. Ok, vas-y on fait moitié du coup, tu me donnes la moitié. J'ai fait la moitié déjà.
Ok, ok, pardon, j'ai pas vu, excuse-moi, je suis un peu lent. Pas de panique. Putain, je tombe sur beaucoup de redstone, ça fait chier. Vas-y, je retourne à la base. On se retrouve à la base. On a tout ce qu'il faut du coup là au total sur ouais, nous deux. Je suis toujours en écran noir. Mais tant qu'on a rien livré à la base, c'est l'écran noir. Hein. Ils sont là, ils sont là, ils sont là, ils sont là, ils sont là. Ah non, c'était peut-être toi qui étais en train de monter. T'es en train de c'est monter. C'est moi qui suis en train de monter. Oui, oui. Pourquoi oh, tu m'as fait peur, mon pote. Est-ce qu'on devrait pas sortir par ailleurs, Bob? Mais en voilà une idée richissime. Ou alors ils attendent à la base en fait, devant la base. Donc faut vite rentrer et pas mourir. On essaie de sortir par ailleurs. T'en penses quoi? Là je vois un terracide en haut. Mais qu'est-ce que tout le monde fout là, mec? Aucune idée. On avance? Aucune idée. Moi j'utilise la stratégie B24 si tu veux, qui va être la stratégie de vas-y. Tu as des torches? Dis-moi que t'as du charbon. Attends deux secondes. J'en ai pas, mais attends deux secondes. Je ferme juste ça. Voilà. Pour ça. C'est quoi ce bruit? C'est moi qui pioche. Ok, ok, non, mais j'ai eu un gros bruit grave qui est stressant. Ou un zombie. Sortir en premier, frère, ok? Je vais sortir en premier, okay. Tu vas me laisser sortir en premier. Fais pas ça de deux de marche, bien sûr. Je t'aide. Je peux remettre l'écran. Vas-y, pioche. Pioche. Je passe devant, au pire, je meurs, t'as l'autre moitié, c'est pas grave, ok? Éventuellement, t'accroupir. Ok, je m'accroupis. Est-ce que en sortant là, on est con, on a creusé dans un sens qui nous augmente la... Sans doute, mais ça nous fait spawner la... moins, si tu veux, parce que pour eux, ça les intéresse pas. Je suis accroupi en tout cas. Bien sûr. L'objectif n'est pas de creuser sous notre baraque, si tu veux. Ouais, bien sûr. De toute façon, on peut pas ça. Ok. On arrive sous un lac, je crois, Bob, là. T'es derrière moi? Eh ben oui, vas-y, vas-y. Je vois plus rien, tu vois quelque chose? Je vois rien. Creuse. Toujours en étant accroupi si tu veux. Ok. Ok c'est maintenant. Toujours en étant accroupi. Sinon, voilà. Il y a notre base qui est... Et on se fait spawn. À part des zombies, Vas-y go, il y a la base qui est juste là. Go frérot. Il nous spawn. C'est des zombies, vas-y, viens. Non, c'est des squelettes, mais pas de panique. Non, il y a un gars qui est pas un squelette, viens vite. J'ai passé la barrière, on est bien. Facile. Il y avait tout sur toi. Il y avait tout sur moi, l'intégrale. Voilà, l'intégrale. Yes. On est pas mal. Yes, on a réussi à tout du ramener. Du coup, il faut crafter, donc allons-y, bah tu t'en prends plein la gueule, c'est pas grave. Du coup, comment on enchante des choses déjà? Fais voir. Ah oui, voilà, c'est ça. Putain, j'ai que 6 levels. Et il me faut 2 lapis-lazuli. Ah, mais j'ai pas de lapis-lazuli. T'as pas de. Mais oui, moi non plus. Mets-toi à cuire dans le four, Bob. T'as du charbon ou pas? Non, on a rien du tout de ce. Mais j'ai un peu de bois, c'est tout. Vas-y, fais cuire les minerais. Vamos. Il faut que ça cuise ou ça marche sans ou avec? Je sais pas. Est-ce qu'il faut faire cuire les minerais? On saura pas, hein. On saura pas. Cheetos. Est-ce qu'il faut forcément les faire cuire ou pas, s'il te plaît, Cheetos? Là, j'avoue, c'est une question légitime de la part de l'arbitre. Ouais, j'ai demandé à Cheetos. Oui. Je lui demande. Il faut faire cramer, il dit. Ok, très bien. Alors là, je vois un terracide là-bas au loin. Ok, attends. Il faut fondre. Oui, ok, il faut faire fondre les minerais, sinon ils sont pas comptabilisés, mec. Pars loin, t'as raison, pars bien loin, mon pote, bien loin. Ça, ils sont deux là, attention, il y en a un sur la gauche aussi. Bah attends, ils ont peut-être du minerai, ils sont peut-être en retour de farm, gros. Vu comment ils jouent, il est en retour de farm, viens. Alors là, il y a un terracide dans un trou avec 3 zombies déjà, donc on va avancer avancement, profiter de cette occasion. Mec, il est en retour de farm, lui il est en retour de farm, c'est sûr. Lui il est en retour de farm. Putain, mais il m'a eu, comment il m'a eu, je l'ai bourré. J'ai mal visé. Lui il est en retour de farm, c'est sûr. Qui est en retour de farm? Dwag. Il est où? Putain, mais il m'a mis en feu, gros, c'est normal ça? Avec un arc, c'est possible. Moi j'ai rien sur moi, je m'en bats les couilles. Tuez-moi les gars, j'ai rien sur moi, je m'en bats les steaks. Ok, je suis mort. Tain, ils étaient en retour de farm. On aurait pu peut-être le ken. Ok, Ok, bon, la prochaine arène, il va falloir être bon. Est-ce que Bob, on peut faire un autre four? On prend du bois vite fait, on fait un autre four pour tout faire fondre rapidement parce qu'on a beaucoup de trucs à faire fondre, je crois. T'es chaud? Attends, déjà je me bats contre Fuse. Même si ça sert à rien parce que je me fais attaquer à la fois par des piafs. Oh le creeper! Ils ont un creeper dans leur base. Le coffre d'arène va apparaître. Et bah ça tombe bien, on y est, mais je suis mid-life malheureusement, donc ça c'est la mauvaise nouvelle.
Alors il y est, il croit tu fais quoi, Terra, vous allez pas en avoir un deuxième, les potes, vous êtes fous quoi. Vas-y, baisse-le. Je prends le coffre. Baisse-le. Putain, je suis mort. Tiens le coup, Bob. Moi aussi, je suis mort. Je suis mort. Putain, il va l'avoir. On peut tenter de leur choper. Parce que là, ils sont encore en train de se battre, tu vois. Ils ont pas fini. Vas-y, go se battre. Les minerais ont été ouverts. C'est pas de Wagby, c'est l'autre qui l'a. Mais il me tue super vite, mec. C'est Fuse. Il me tue super vite, gros. Ah, je suis mort, putain. Ils ont sans doute un enchantement sur leur épée du merdier. Qui a eu les minerais? C'est Fuse qui les a eus. Et je pense qu'il est rentré à la base, là, tel qu'il est. Ouais, c'est ça. On s'est attaqué par un piaf que j'ai jamais vu dans Minecraft. On a tous eu un coffre, en fait. Ouais. Bon, c'est tant mieux, écoute. On a tous eu un coffre, déjà. Ok, on a tous eu un coffre. Terracide qui m'en veut. Ils ont enchanté leur épée et nous, on les a pas, en fait. Du coup, ils nous baissent. Terracide qui m'en veut, hein. Ah, il a pas aimé mes commentaires sur son OPSP Evil Within 2, hein. Ah là là. Bob. Ah, il a la rancune tenace. Bob, il faut qu'on trouve du diamant, il faut qu'on aille vite trouver du diamant là, ça sert à rien de fight, on tombe dans leur piège en fait, eux ils veulent perdre du temps mais nous on le pas. Le truc c'est que voilà, ça sert à rien parce qu'ils vont nous camp et du coup on pourrait. Par contre, je t'ai mis une flèche. C'est pas grave, c'est bien, tu m'as boost. Voilà, très bien. Donc là il est mort, donc ça par contre c'est un Dwagby qui est ensorcelé et ça j'aime pas ça du tout. Ah, je suis mort. On est comme des débiles, c'est qui là contre moi? Ouais, écoute. Il me tue, mais j'ai rien. Bon, viens, on se casse. Ouais, moi je me tire, hein. Bob, Bob, il faut qu'on fasse fondre tout ce qu'on a. Il faut qu'on trouve du charbon et qu'on fasse tout fondre là. Il nous reste trop de trucs à faire. Dans ce cas, pas de panique. Pour avoir du charbon, ce qu'il nous faut, c'est juste du bois. Il nous reste 6 minutes 50. Go farmer du bois et go dans la couche en bas, essayer de trouver d'autres diamants, sinon on a perdu. Alors, c'est sûr. Dans ce cas, je t'invite à aller voir dans la couche en bas, je te fais confiance, vas-y, de toute façon. Ok, j'y vais. Mais j'ai plus de pioche, il faut que je me refasse de la pioche, sinon c'est mort, gros. Ah, d'accord. Bon, alors attends, paniquons pas. Déjà, il nous faut du bois. Sans bois, on fera rien, on ira nulle. Vas-y. Est-ce que tu as de la pierre? Pas du tout, n'est-ce pas? On n'a plus rien. Bon, on part de zéro. Ben, c'est pas grave, on panique. Faut faire fondre l'or, faut absolument faire fondre l'or. Ok, je vais m'en charger. Pas. Alors, ils ont des enchantés tout en PVP, ils ont l'avantage. Donc nous, notre ils ont trouvé du lapis-lazuli, si tu veux. Donc, tiens, je t'ai mis du bois juste devant toi. Si tu veux nous faire des belles petites pioches, c'est archi bien. J'y travaille. Alors, j'ai déjà des pioches en bois. Tu te souviens qu'il nous faut de la pierre pour pouvoir faire des pioches en pierre. Donc on n'a pas de pierre, donc c'est baisé. Donc voilà une pioche en bois, bonne chance. Merci frérot. Va récupérer de la pierre. Et surtout, tiens, attends, bouge pas, reviens. Bouge pas. Ah, ouais. Attention, tac. Voici des bâtons. Avec ces bâtons, tu devrais pouvoir crafter à une table de craft une pioche en pierre. Merci mec. Vas-y, je vais essayer de trouver du diamant. C'est parti. Alors, sans pioche en fer, le diamant servira pas à grand chose, mais c'est pas grave. Navré, hein, je veux pas te démoraliser. T'inquiète. Est-ce qu'au pire, si je vois du diamant, on fait une mission gros de fou où tu vas récupérer des. Tu vas récupérer du fer qu'on a dans le coffre et avec ce fer là on fait une pioche pour que je puisse avoir le diamant, t'as capté? Oui bien sûr, on peut faire ça. De la balle. On peut faire ça. Moi je suis en train de rester à la base. T'avais mis les coffres du coup. J'ai tout vidé. Je reste à la base, j'occupe Terracide qui apparemment a trouvé loisir de me tirer dessus. J'avance moi, ok? Je te dis si je vois du diamant, ok? Les gens, où j'ai le plus de. Et va faire fondre l'or. Bon, par contre, il y a Fuse qui vient sur toi. Je sais pas pourquoi ils viennent là. Je sais pas pourquoi ils cherchent la bagarre. Parce qu'ils ont rien à faire, il reste 4 minutes. Donc, mais 4 minutes, on peut avoir le temps de trouver un petit diamant, tu vois. Bah, du coup, je vais à la couche 11. Est-ce que tu peux faire fondre l'or absolument? Faut absolument qu'il compte dans nos points, Bob. L'or. Si on n'a pas l'or, on est mort. On me dit, range le fer. Est-ce que j'ai perdu le fer? Ah, j'ai perdu le fer. Ah, c'est pas grave. T'as perdu quoi comme fer? Non, apparemment, le fer que j'avais en réserve, 29 de fer, c'est pas grave. Non, tu l'as perdu pourquoi? Je m'en inquiète pas, je me suis mort sur Dwagby. T'as perdu 29 de fer? C'est pas grave, c'est sans doute Dwagby qui l'a récupéré, mais qui s'en est pas rendu compte. Bah oui, mais c'est tout le problème. Oh non, putain. Fais fondre l'or, s'il te plaît, Bob. Alors, l'or est en train de fondre.
Ok, magnifique, ça c'est top. Maintenant rejoins-moi, il reste 3 minutes 50, on peut essayer de trouver un peu de fer ou d'or ou de diamant et voilà, de quoi nous sauver le cul en fait. Ok ? On est dans le noir les gens, mais j'ai pas le temps de faire autrement. Là, je suis à la couche 11, donc je vais tout droit. Ah, je me suis fait avoir, je sais pas par qui. Donc oui, courage. C'est quoi ça? C'est la redstone. Putain, c'est de la merde, on s'en bat les couilles. Tu auras jamais le temps, vous en savez rien les gens, vous en savez rien. J'arrive pas, hein. J'arrive pas à les tuer. Là, du fer ou de l'or, ça nous ferait gagner des points, ce serait top. Faut juste que je tombe maintenant dessus là, très bientôt là. Allez putain. On y croit les gens, on y croit dans le chat s'il vous plaît. Vers le bas, mais non c'est rien les gens, je suis en 11, faut pas que j'aille vers le bas. Ah, j'ai été eu. Et est-ce qu'on perd, quand on perd les minerais, est-ce que les autres les récupèrent ou pas? Parce que j'ai pas l'impression qu'ils les aient récupérés. Évidemment, ils les récupèrent, ils les récupèrent. Personne a fait les allers-retours si tu veux, donc je... Tant pis. C'est pas grave, 11 lingots d'or, c'est là, c'est fondu, c'est confort. Voilà. Mets-les dans le coffre. Il va y avoir probablement un dernier coffre à l'arène où tout va se jouer. Je te propose qu'on n'y aille pas tout de suite et qu'on attende le gars qui monte l'échelle et qu'on le défonce. Parce qu'on n'a pas l'avantage au fight puisqu'ils ont tous des enchants et pas nous. Tu vois ce que je veux dire? On va tous jouer ça si tu veux. Et ben allons en haut. Regarde, vas-y, je vais venir avec toi. Je peux pas me TP. Attends, vas-y, je reviens. De toute façon, là j'ai plus le temps. Il y a 2 minutes, tant pis, j'ai tenté, mais on arrive. C'est pas grave. Est-ce qu'on ferait pas fondre l'armure pour récolter du fer? Non, mais je pense qu'ils ont fait un truc contre ça, Chito. Sinon, c'est OP. Tu fais fondre ton armure, tu fais fondre ton armure. c'est du génie. Ok, t'es prêt à y aller? Je suis prêt à y aller. Ah, ça okay. M'a téléporté, d'accord. Ouais. Je vais dedans. Ok, ils envoient des. Là, faut être strat, là, faut bien jouer. Ok, ils campent en haut, ils vont tirer des flèches. C'est pas grave, je respawn, j'arrive et je les bête, c'est pas grave. Pas très grave, je vais aller chercher à l'épée, c'est bâtard. Ok. Allez, venez là, les petites salopes. Viens là, ma petite salope de lingue. Qu'est-ce que tu fais là, ma petite salope de lingue? Tu vas tomber, tu vas te faire très mal, mon grand. C'est toi, Kalkoff? Non, tu l'as? Non, je l'ai pas, je suis mort. C'est Link qui l'a. C'est pas grave. Je pensais l'avoir à une fraction de seconde, mais c'est pas passé. Viens là, fuse. T'as tellement fort, tellement. Je vais l'avoir, Bob, je vais l'avoir. Félicitations. Mais il y a Fuse qui arrive. Ils sont sur WAM. Je suis mort, ils vont récupérer le minerai, il est en bas. Dans l'arène en bas, il va récupérer le minerai. Allez, Bob, tout se joue sur celui-là. Putain, mais ceux qui campent comme des vieilles putes, putain, c'est fou. Alors, j'ai récupéré. Niquez vos nerfs, vous, niquez-le. Tu t'as réussi, Bob? Alors, pas encore. Je suis passé, excellent. Ouf! Non, c'est lui. Attends, y'en a un là, comment? J'ai un diamant, j'ai du fer, c'est j'ai tout posé. C'est fieu. Non, j'ai récupéré le coffre. Je vais tomber. Squeeze, t'es sûr? J'ai récupéré le coffre, je viens de poser toutes mais les ressources. Mais le coffre était vide, non? Le coffre Mon était chat vide. Est en flamme, tout va bien. C'est t'as toi quoi qui... dedans? Alors, tu es. Alors, j'ai eu, je crois, un diamant, un peu de fer et un peu d'or, je sais pas, j'ai pas fait gaffe. Dans tous les cas. Tu es mort. Dwagby a tout pris. Il a pensé à rentrer en ligne droite, mais je l'attendais en haut de l'échelle. J'ai buté, j'ai récupéré tout ce qu'il y avait au sol. Et une fois que j'avais ça au sol, j'ai zigzagué comme si j'étais un Mexicain à la frontière américaine. Et voilà. T'es un génie, en plus t'es cover le cul, je suis allé défoncer Link et tout. Et est-ce que. Ouais, on t'a vu. Est-ce que. J'ai le droit à une statuette ou pas? Voilà. Où est mon trophée? Alors messieurs dames. Attends, vous n'avez pas gagné encore. J'attends les résultats, mais d'abord j'aimerais faire une interview. Tu dis que j'ai pas gagné, mais dans ce cas je veux au moins le trophée d'un Mexicain qui court en zigzag si tu veux. Là c'était bon. Eh Bob, quand t'as couru c'était magnifique et je pensais que tu croyais avoir le loot et que tu l'avais pas, mais en fait tu l'avais vraiment, mon gars. Ah si, mais j'avais le loot, mais j'étais en train de transpirer, tu l'as pas vu, c'est juste que 39 de fièvre, tu transpires pas beaucoup si tu veux. Bien joué, mon gosse. Alors. Qui était l'équipe bleue, qui était l'équipe jaune avant tout? Doggy Fuse jaune. Et du coup, Linktera bleu. Linktera bleu. Ok, donc nous on était rouge. Ok, comment s'est passé votre game, Doggy Fuse? Je vais laisser Fuse expliquer, je pense que c'était plutôt lui le meneur d'hommes.
Dis-moi, bah, écoute, on va dire que j'ai dû expliquer les crafts à Dwagby pendant la moitié de la game, mais on est plutôt content. On a surtout joué PVP. Ouais. Donc on a quasiment rien miné. Et ah ouais, vous êtes, parce que pourtant le cœur du jeu, il faut vraiment jouer. Alors que nous, on a passé 45 minutes en mode tic tac tic tac tic tac tic tac, on est les nains de blanche. Non, on a miné, mais on trouvait pas de grotte en fait, donc on était vraiment en grosse galère. Donc à la fin, on s'est dit vas-y, fuck it. On va jouer l'arène quoi. Et la dernière arène, elle nous fait mal quand même, Bob, sache-le. Ouais, c'est vrai qu'on était, franchement, putain, ça, c'est vrai. Je suis sûr que ça va faire la diff. Moi, je suis content parce que vous m'avez tous pougné en 1v1 tout le long de la partie, c'est-à-dire vous me mettiez au moins deux coups d'épée en plus que moi, si tu veux. Pourtant je clique, hein. J'étais ok, bon bah je suis vieux, je suis mort, ça m'apprendra si tu veux. Mais sur la dernière, moment, ouais. Ah bah je t'ai cueilli, t'étais là en haut de l'échelle, t'étais là en haut de l'échelle, je t'ai mis les pattes sur les tiennes, j'ai fait longue vie au roi, puis j'ai récupéré. T'as été incroyable. Ok, Link et Terra, votre game, qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce qui s'est passé, dites-nous tout. J'en ai marre. Bon, c'était bien parce qu'on est parti miner et en termes de skill pur de minage, on était chaud, hein, diamant, émeraude, on était là. Après, on s'est dit, bon, on n'a pas assez de temps pour miner, donc viens, on va PVP. Et c'était sans compter la salope de fuse là. On est d'accord. Alors, on est d'accord que. Il y a des macros. Terracide qui m'a focus était fort, mais fuse en PVP, il est monstrueux, on est d'accord. On m'a dit, vous avez ragé comme pas possible. Putain. Ah, trop fort, mec, trop fort. Sorti quelques noms. Les gars, ou, hein, j'ai quelque chose à vous dire. Quand vous nous avez tués et qu'on était dans l'eau et que j'étais en train de taper dans de la terre, Fuse, ouais, et moi, vous on savez, a pas capté. Ouais. Et ben en fait, j'étais en train de retourner à ma base dans laquelle se trouvait l'intégralité de mon loot depuis 40 minutes. Mais en plus, ils l'ont dit dans le chat. Je tiens à souligner cependant que même si vous aviez trouvé le tunnel, vous n'auriez pas trouvé le coffre secret puisque je désactivais mon stream pour planquer le coffre pendant que Squeezie ne me regardait pas. Mais attends, mais pourquoi est-ce que vous mettiez pas tout direct dans la base principale? Parce que ça demande de faire un aller-retour. Et cet aller-retour, et de plus, la base principale, n'importe qui aurait pu nous camper. Non pas que c'est ce que vous auriez fait, mais c'est sur la fin, c'était assez... Mais à quel moment vous avez déposé votre stuff? On a jamais pensé à ça. On a déposé notre stuff environ vers la 20e minute. C'est-à-dire juste avant que les gens se disent « Tiens, il commence à être trop tard, on va faire que du PVP, en fait. » Ah, mais en fait, du coup, vous avez tellement de points, vous. Alors, attendez, j'ai les scores sous les yeux, c'est pas forcément ce que vous croyez, mais fiez-vous, messieurs, dames. Mais quand bien même on n'a pas gagné, Squeeze, je suis quand même content de ce qu'on a fait, on a fait quand même un truc. Franchement, on a fait une belle prestation, Bob, et tu vas voir, le score me convient amplement, pour être honnête, vous allez voir. Qui a eu... On a tous eu un coffre, on est d'accord? Non, on a eu deux, je crois. Nous, on a eu deux, ouais. Nous, on n'a rien eu. Enfin, si on avait vu, mais on vous a buté, quoi. Ouais, on s'est fait. C'est nous qui en avons eu deux avec Bob, je crois. Il y a eu 4 coffres en total. Il y a eu 4, oui, peut-être 5. On a eu 2, on a eu 4, et je crois qu'on a eu 2-2, non? Non. Ah ouais, on a eu 2, nous on a eu 2. Ouais, on a eu 2, hein, je suis sûr, Fuse il a été... Ah, donc vous en avez eu 2, et moi et... Ouais. Moi et Bob on en a eu 2 aussi. Je suis sûr que Fuse il en a ramené un, ça c'est 100% sûr, mais est-ce que toi, Dwagby, t'en as pas ramené un en scred? Si, en zigzag, ouais, c'est ça. Je te chassais, mais... Bon, les amis, écoutez, étonnamment, je vais vous dire, l'équipe qui finit dernière, malheureusement ce soir. Pas nous, malheureusement ce soir. C'est l'équipe jaune, c'est Fuse et... Vraiment ? Et non mais c'est normal, on a pas miné du tout, genre on a... Attendez, pour des gens qui ont pas miné, vous étiez bien, vous avez fait 2360 points. Ok, ah, le roi du PVP, hein, quand même. Attends, avant ça, 2360 points, reparle-moi de l'échelle des scores, 10 c'est du fer, 50 c'est de l'or, 100 c'est du diamant et 300 c'est de l'émeraude, c'est ça ? Je crois que c'est ça, ouais. Attends, t'as fait 3000 points, enfin, et des brouettes. Putain, 2360 points, alors qu'ils ont miné 0. Ouais. C'est putain, énorme, c'est vraiment énorme, les gars, vous pouvez le dire de vous. Ah, vous avez raison, non, mais c'est ce que je veux dire. Sans miner, c'est viable. Ta méta, elle est viable, hein, Dwagby. C'est juste une question En fait, on se demandait juste si on avait eu le dernier coffre et tout, parce que normalement, on était censé être mieux stuff, et on aurait peut-être mieux géré la situation si on y croyait un peu plus. Bah, si on n'était pas genre deuxième grâce à ça, tu vois. Donc, j'ai hâte de voir l'écart de points avec l'équipe qui termine deuxième, la Caterracide. Les gars, je suis désolé avant de continuer les résultats. Est-ce que vous voulez changer les équipes ou non? Parce que ça prend entre 5 et 10 minutes. Donc si on peut changer les équipes pendant qu'on fait le blabla, c'est très cool. Est-ce que vous voulez les changer ou pas? Moi je suis chaud de rester avec toi. Moi je comprendrais que tu demandes un changement.
Je suis pas simple. Maintenant, on a une strat qui peut être. Bah moi, je propose qu'on fasse en sorte que un mec de la première équipe aille avec un mec de la troisième et un mec de la troisième aille avec la première. Tu vois ce que je veux dire? On équilibre. D'accord, mais la on fait ça honnêtement. On fait ça honnêtement. C'est-à-dire celui de la troisième qui est mauvais, non, il va dans la première équipe, et celui qui est de la première qui est bonne, il va dans la. Est-ce que je peux te dire pourquoi? En gros, je pense que là, Fuse, il a vraiment compris mes capacités. Et si je retourne avec quelqu'un d'autre, le temps qu'il comprenne mes capacités, on va reniquer une game. Swaggy et capacité dans la même phrase. Il y a trois games de toute façon, non? C'est pour ça, ouais, mais là, Fuse, il me connaît, il sait ce qu'on va pouvoir peut-être essayer de faire pour essayer de gagner la game 2. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Putain, on dirait presque une interview, une interview d'entraîneur de foot après, si tu veux. Un peu de silence, s'il vous plaît. On va faire une deuxième game en gardant les mêmes équipes, voir si le score change ou pas, parce que voilà, tout ne se fait pas sur une game. Il y a totalement la dernière qui peut passer première et vice versa. Et pour la troisième game de la soirée, on changera les équipes. Ok les gars? Vas-y, deal. Ok, alors je finis. Pour la troisième game, on joue mais avec des gens du chat. Voilà, nous on les commente. Tu veux le truc? Ok, donc Fuse et Dwagby. Oh, on pourra faire ça un jour en vrai. Ah, ça donc peut être Fuse et Dwagby, équipe jaune, 2360 points. Voilà. Équipe rouge, vous êtes en. C'est toi. Bob, c'est nous. C'est toi. Bob, à ton avis? En deuxième vous êtes position. Premier. Ouais, ils ont soufflé deux coffres. Ils sont. Ah, non, vous avez tout raflé. Deuxième. Quoi position. Deuxième. Quoi position. Non. C'est une blague. Avec 3400 points. Mais non. Roche, en vrai. On n'a rien fait pendant toute la game. Et l'équipe bleue, l'inquiétera. Vous êtes premier. Vous savez avec combien de points? Non, vas-y, dis. 6000, 9000, 6500. Mais what? Ils ont fait quoi? Combien de diamants vous avez trouvé? Ils étaient pas là à la première arène, ils farmaient. Ils nous ont éclaté. Vas-y, je vais avec Link pour la game 2. Regardez ma POV, je suis pire joueur, je fais toutes les erreurs. Je vais avec Link et Terra, bon bah. Alors, les gars, ils ont plus de points. Ils ont plus de points que les deux autres équipes. Ouais. C'est chaud. Hein. Ah ouais, chaud. J'entendais pas mais, ça. Mais du coup, attends, puisque l'avance est tellement énorme et que du coup ils craignent rien de leur place de premier, j'ai juste une question. Link Terra, avec quoi vous les avez fait principalement ces points? Avec du diams? Enfin, avec de la grosse chape, mon pote. Ouais, je pense que avec la couche 11, tu tapes et tapes la chape. Ouais, c'est ça, c'est sûr. C'est sûr. Ah ouais, c'est un énorme diamant. Parce que 10 diams, ça fait que 1500 points. Non, mais ils ont eu de l'émeraude. Ils ont eu de l'émeraude. Je savais même plus quoi en faire. Ou vraiment, je fais tout le temps. Oh, d'accord. Ah bah ouais, t'as eu de l'émeraude dans les cavernes. Mais oui, fou l'émeraude. Ah bah oui, et l'émeraude dans les cavernes, c'est full aléatoire. Hein. Y a aucun moyen d'en trouver de manière viable, si tu veux. J'en avais jamais vu qu'on a trouvé 3 ou je sais pas combien. Non mais le seul moyen d'en trouver, c'est soit à la surface, soit en rasant une montagne. Le mec, il a miné les vifs d'or, quoi. Coûte 150 points, il s'en bat les couilles, il récupère. Eh ben les gars, c'est intéressant qu'on fasse une deuxième game sans changer les teams, parce qu'on va jouer sur une nouvelle map où il y aura pas l'émeraude à l'endroit où tu l'as chopé, Terra. Et donc du coup, on va voir si vous méritez vraiment ce trophée. Moi, je pense que c'est pas de la loc. Mais c'était pas de la loc. Link avait prévenu. Non, il y a un viewer. Oui, j'avais prévu, c'est vrai. Dans Parcio, il y a un viewer. Apparemment, les émeraudes se trouvent sous les montagnes. On me dit dans le chat et dans l'oreillette. Okay, on me dit que souvent c'est sous les montagnes, dans les biomes des montagnes. Link avait prévenu qu'il avait la chatte à tout le monde et c'est impressionnant, j'avoue. Eh hey Bob, on n'avait pas oublié de mettre des trucs qui avaient fondu dans le coffre. Non, j'ai tout mis. Il n'y avait pas de l'or. J'ai tout mis. Je pense que j'ai tout mis d'ici la fin. Donc, avant de commencer cette deuxième game, je répète un grand merci à Dorpaxio hein, qui a aidé Chitos à régler tous les petits problèmes, notamment avec le zéro, etc. qu'on a eu. Ah, c'est lui le monstre du. Ok, c'est. Salut. Ah, attention, Fuse, t'as ton dur, micro qui. Désolé. Ouais, qui plante. Ouais. Vous avez vu ce que je dois supporter moi avec Fuse, enfin, franchement. Non, mais Fuse, comment je peux jouer dans ces conditions, les gars. Fuse, on est désolé hein, d'avoir mis un poids sur le dos à Alias, on doit bien, vraiment désolé. Moi, je suis content. Bob a été d'une bienveillance incroyable avec moi. Il m'a aidé, il a été patient, il a été top. Et je suis très content de notre deuxième place. Merci Bob pour cette game. Moi j'ai trouvé que Squeeze était un amour. Il a beaucoup paniqué pour rien, mais c'était très bien. Bah écoute, je lui donne son permis. On se suçant mutuellement. Ouais, voilà son permis. On va commencer une deuxième game sans changer les équipes. On va voir si Link et Terra vont refinir premier avec une avance exceptionnelle. Juste avant ça, je propose une petite pause pipi généralisée pour tout le monde. Et puis les amis, place allez, à la deuxième game juste après. Le chat, on envoie de la force à votre équipe préférée dans les chats. On reprend Team dans jaune.
dans une minute, on va juste aux toilettes et on reprend ça. Et team, Bob, je pense que là, team, on a toutes nos chances. Team Orangina, le chat, merci. Je vous laisse débriefer par l'air pour ceux qui vont pas pisser, mais moi j'ai besoin, les gars. Team jaune, team jaune. Je croyais que j'étais obligé d'aller faire pipi, je me suis dit, bah ouais. C'est ça, mais la violence. Non, mais c'est sympa, hein. Honnêtement, c'est sympa. Ouais, par contre, on est d'accord que les arcs sont vachement plus douloureux que les épées, hein, j'ai l'impression, c'est chaud. Hein. Alors attends, non, toi je t'ai mis 4 flèches dans le fion et t'étais encore en train de te gambader partout là donc. Alors il me restait très peu de cœur, je dois l'admettre, mais j'ai l'impression que quand je me prends des flèches, c'est genre la moitié de ma vie. Quand je me prends des coups d'épée, c'est genre 2 cœurs si tu veux. Bah écoute, ah putain, on peut pas faire le test en direct là. J'aurais bien aimé savoir. C'est vrai que c'est intéressant de savoir, tu vois, qu'est-ce qui est le plus efficace. Parce que je trouve que nous donner genre 64 flèches à chaque respawn, c'est quand même un peu imbas, tu vois. Éventuellement 10 flèches à chaque respawn, pas plus. C'est vrai que ça serait pas marrant. Ouais, mais un full chargeur, il y a. On drop pas genre les stuffs quand on meurt, du coup, genre. C'est enfin, ça ouais, tu peux vraiment être sec, moi j'avais plus de flèches au bout d'un moment. Je sais pas. Pour moi, c'est juste une question d'équilibrage en fait. Tu te dis 64 flèches avec un arc dès le début offert, c'est peut-être un peu gros. Éventuellement, faire une équipe de deux, il y en a un qui spawn avec une épée bouclier si tu veux, et un qui spawn avec un arc. Et là, c'est intéressant. Ou alors ce qui serait intéressant, c'est qu'on retire l'épée à Fuse et qu'il doit se battre avec un caillou. Fuse qui se bat avec une torche. J'ai déjà Dwagby, je leur commençais pas à me... C'est vrai que t'as un beau malus. Oh, pas se le cacher. Je suis sûr que ça se fait. Squeezie était en panique, à chaque fois il était là, il faut absolument qu'on retourne dans la caverne, Bob, il faut qu'on retourne dans la cache. Ah oui, mais si on n'a pas de bois, on est tous les deux morts, on n'a rien sur nous, si on n'a pas de bois, on n'a pas de torche. Si on n'a pas de torche, on n'a pas de pioche. Si on n'a pas de pioche, on n'a rien. On a gagné, mais j'ai quand même mis 20 minutes à remonter une grotte sans outils. Oui, puis on est tombé deux fois dans la lave avec notre stuff quand même. Et j'ai été explosé par à peu près 4 mobs. Ah bah, faut croire que vous êtes juste fort. On va la win celle-là, je suis sûr. 6000 points. Honnêtement, 6000 points, c'est quoi? Là, on se retrouve dans un scénario des arts martiaux. C'est vrai qu'ils ont eu aucune arène. Mais en vrai, les arènes, les loots sont pas ouf en fait. Je sens que personne va faire les arènes. Bah, la semaine dernière, j'étais pas mal. Hein. Parce que ça aurait été difficile que les arènes elles soient plus chaudes que le minage. Parce que dans ce cas-là, tu joues pas la mine, tu vois, tu joues que le PVP. Les arènes, elles rapportent un peu 500 points. Mais après, le problème, c'est que la mine, c'est full luck en fait. Genre, tu tombes sur une bonne mine. Ouais. Bah, full luck, et aussi, c'est une question de RNG. C'est-à-dire, il faut se mettre au bon niveau pour trouver du diams, faut trouver une caverne. Alors là, si tu trouves une caverne où il y a de la lave et que t'es à la bonne profondeur et qu'en plus elle part pas en dessous ou au-dessus, là t'es refait parce que tu t'en peux plus. Relais frérot. Ouais. Ah bah j'ai eu ça la semaine dernière et j'ai perdu avec ça, Bob. Bon les gars, améliorations, qu'est-ce que vous en pensez? C'est cool non, Dwag, par rapport à la semaine dernière, c'est plus équilibré et tout, tu En tout cas ouais, pour moi c'est vraiment mieux. Après chez Fuse, il était un peu frustré de fait que le stuff ne tombe pas au sol, donc même pour récupérer ce que vous avez farmé, ouais, même, pour vois, pouvoir nous derrière looter quoi. On était enchantés et du coup quand on est mort, il y avait plus personne qui avait les enchantements, du coup plus personne pouvait les récup, et genre ça c'est un peu ouais, ah moi, peut-être pouvoir récupérer les enchantements parce que ouais, tu tues tout le monde. Ouais, c'est clair. Attends, si tu veux faire des enchantements, il faut trouver. Vous avez trouvé du lapis-lazuli, parce que moi de l'époque où je jouais à Minecraft, il y avait pas besoin de cette merde. Tu pouvais enchanter le truc, c'était gratuit quoi. Je m'en souviens. Ouais, on avait du lapis. Ouais, j'avais pas de lapis moi. Ok, bon, on va voir ce qu'on fera pour ça, mais je prends en compte Fuse. De toute façon, Fuse, tu nous feras un petit débrief de ton ressenti sur le mode et on adaptera tout ça. Pour la prochaine émission, on fera drop les enchantes, me dit Chitos. Ok. C'est-à-dire qu'il fait drop les armures avec les enchantes dessus, fais gaffe parce qu'on peut les fondre. Bah, il y a des livres qui tomberont par terre quand tu tues un mec qui a des enchantes, tu les récupères et ça t'enchante ton stuff pareil. Ok, ça voilà. Par contre, si c'est les livres qui tombent, ça c'est cool. Je sais pas si c'est cool. Voilà. Là, bah, il y aura être, ça. Mais... Est-ce que tout le monde est prêt pour la deuxième game? Il y en a qui ont des questions? Tout est bon? Est-ce que ça vous a plu, les gars? Est-ce que vous avez pris un peu de plaisir, un peu de stress quand même? C'est grave. C'est grave stressant. Ouais, mais on n'a pas d'infos sur les autres et tout. Je vous jure qu'on a pris aucun plaisir pendant la moitié de la game parce qu'on mourait tout le temps et qu'on était sûr d'être 4ème, 5ème, 6ème. Genre, en fait, c'est incroyable. Ça que j'aime bien, c'est que souvent le résultat il est un peu inattendu. Bon, sauf quand t'as Luki et Dwagby dans la même équipe. Voilà. Mais sinon, il est assez genre inattendu. Tu sais, tu sais pas trop quoi. Moi, je suis assez surpris de voir à quel point vous avez eu de l'avance, tu vois, par exemple. Et je suis assez surpris de voir qu'au final, Dwagby et Fuse, vous avez eu quasiment autant de points que moi et Bob, alors que ouais, moi je considérais qu'on a fait une très bonne game. Ouais. Donc vous voyez, c'est intéressant. Bon, est-ce que vous êtes prêts? On lance la game. Et ready, s'il vous plaît aussi, les viewers dans les chats, s'il vous plaît, ne dites pas ce qui se passe sur le live d'un autre. Faut pas spoil. Ce coup-ci, je mettrai pas d'écran noir, même si ça spoil sur le live à Fuse, évidemment. Mais c'est quoi qui peut être spoilé?
Bah, là, on cache ton minerai avant de le ramener à la base. Bah, voilà. Si les mecs remontent à leur base, tu vois, viens trouver. Ou alors, toi, imagine, tu fais un tunnel en ligne droite, comme nous, on l'a fait. Si on spoil l'endroit du tunnel que t'as un peu planqué et camouflé, le gars, il bouge, et là, tu te retournes dans un tunnel en ligne droite. Imagine que je remonte tous les escaliers en sautant, l'autre, il a un arc, il me... des bisous et puis voilà. Ou alors une Austrade, nous par exemple, on a arrêté de jouer le minerai, on s'est dit vas-y, on va essayer de trouver l'Inquiet Terra et essayer de les tuer. Bah, du coup, le chat peut dire attention, ils arrivent. Tu vois voilà, ce que exactement. Dire. Prévenez en tout cas, pas de moi, j'annonce pas d'avance. Les intentions des uns et des autres. J'annonce d'avance, Dwagby, Fuse. Si jamais je vous vois, tu sais quoi, je vais retenir mes flèches. Si je vois l'Inquiet Terra, j'ouvre tout. attends, parce que là, vous êtes là, mais on fait pas les alliances, c'est dégueulasse. À 6000 points. Quand on cumule x2 les deux équipes, c'est à ce moment-là que la Russie et les USA se serrent la main et se font bon, bah faut niquer les Chinois. On devrait tous les quatre dans le même chan. C'est très vrai ce qu'il dit. Voilà, parce que là. Louito, je te laisse lancer la game. Parce que je vais être sincère, Dwagby Fuse, ça me dérange pas de perdre face à vous, mais si on repère face à l'Inquiet Terra, c'est honteux. Ah ouais, là, s'ils appuient un peu leur domination, là, c'est horrible. Je suis d'accord. C'est parti, début de la game, Loutos, je te laisse faire les switches de Chan et nous TP. Du coup, t'imagines la phase complètement dégueulasse où t'as vraiment une équipe qui s'associe à l'autre et qui lui donne tout son minerai. Viens, on va faire chier l'Inquiétera, viens, on les suit, on les frappe juste c'est pour. Les, c'est les bleus, c'est les bleus. Il y a un coffre d'arène, non, il y a un coffre d'arène. Plonge dans l'eau. Jamais je mets des flèches là. Attends, c'est tendu cette situation. Bob, t'es en bas ou pas? Ouais, je suis en bas, je me fais poutrer, je suis mort. Et comme quoi, Fuse, pourtant, je pensais avoir touché, mais. Non, mais Fuse, il est trop fort en PVP! Il est intestable! Ok, t'as vu, quand t'es mort, tu peux. Ah, ils ont fixé. Ah, ils ont réparé. Ouais, tu peux plus sortir. Je me dis aussi. Ouais, ils ont réparé. C'est encore une chance d'y aller, hein, et d'y retourner. Donc, par contre. Vas-y, fais gaffe sur ta gauche, il y a du monde. Le coffre à minerai a été ouvert, qui l'a ouvert, je vais essayer de te dire. Ok, ils sont là-bas, ils sont en face. Ils montent l'échelle, c'est les jaunes, go. Y'a que Dwagby, il est en train de plonger. Frérot, je l'ai buté, j'ai tout pris. Viens m'aider, Bob. Bob, viens m'aider, Bob. Et bah, je suis en train de buter Terracide, qui est en train de te viser sans doute. Je suis mort. Il faut que t'arrives à la base, tu devrais pouvoir y arriver si tu zigzags. On espère. Ah là, il transpire, là, il dit plus rien. C'est le stress. Bob, j'ai réussi. Il est dedans, bravo. Et ça nous fait 170 points parce que le fer, c'est de la merde. Du coup. C'est pas grave, on a eu un diamant et de l'or. Est-ce qu'avec le fer, on se fait pas des pioches en fer direct? Oui, mais. C'est 670 points de prix au calme. Rappelle-toi, pour nous faire des pioches, il nous faut. Oh, ça commence bien cette game, je suis tout excité, Bob. Non, mais après, on va se marier, quoi. Il nous faut complet, hein. du bois, putain. Avant de se marier, il nous faut du bois. T'inquiète, je suis dessus. Putain, on les a baisés, gros. Et tu sais quoi, fais-moi plaisir, on va prendre plein de bois. Genre, prenons un petit stack de bois, genre 30 de bois. Genre, prenons du temps pour prendre du bois, tu sais quoi. Et on va laisser dans le coffre de la base, même si ça vaut pas de points, on s'en bat les couilles. Ouais, t'as raison. Comme ça, chaque fois qu'on meurt et qu'on revient, et ben on peut récupérer du bois et on arrête de perdre 5 minutes. Il y a une montagne, Bob. Il y a une montagne. Cette montagne me fait de l'œil à l'infini parce qu'elle est à l'infini. Et surtout quand l'autre disait, oui, alors comme ça, les émeraudes, ça se trouve potentiellement. Ça se trouve en dessous des montagnes. Eh, c'est ouf, incroyable. Si seulement vous le saviez, putain. Si vous aviez pas 11 ans et demi et que vous jouez pas à Minecraft sur Xbox, vous ne l'auriez pas su. Voilà, niquez-vous. Je suis vieux, je suis aigri, niquez-vous. Ok, très bien. T'es tellement aigri. J'adore. Je vais finir comme toi, Bob, ça me fait peur. Ah, mais non, je te jure que c'est très très plaisant. Voilà. Il y a une raison. Aigri, c'est plaisant. Ah, bah, il y a une raison pour laquelle Bruce Banner il reste en Hulk. C'est parce que être Hulk et être tout le temps en colère, c'est marrant si tu veux. Et au final, tu t'apprends à rigoler. Tu vois, c'est fantastique. C'est pas dans toutes les montagnes MDR, c'est dans le biome Extreme Hill. C'est quoi le biome extrême? Alors, le biome extrême colline. Donc, on imagine un biome plat avec des arbres normaux et des collines partout. Donc, c'est sans importance. Okay. Je mets du bois, du coup, dans le coffre, ok? Je mets la moitié de mon bois dans le, coffre, ok? Tout à fait. Et tu peux même mettre quelques bûches à cuire dans le... Pourquoi l'un qui a triché? S'il a triché, Cheetos va le savoir. Il a fait quoi? Cheetos, oublie pas de qu'il est PNG. Hein. Oui, j'avoue, si c'est 6000 points, il est fait au PNJ. Mais en même temps, écoute, si t'es pas chopé au bac, si t'as triché au bac mais qu'on t'a pas attrapé, ton bac il est légitime. C'est vrai, c'est vrai. Il est signé par le président de la République. Macron, il signe ton bac. Hein.
Faites des haches, ouais, faudrait. Ok, on va à la montagne, Bob, ou pas voir. Ça vaut le coup parce que c'est loin, t'as vu. Tout à on fait, y va quand même. Oui, vas-y. Est-ce que tu as des pioches, des choses? Là, il y a une grotte juste sous nos pieds, en fait, direct où il y a de l'eau et on pourrait aller. Tu n'as rien du tout sur toi, n'est-ce pas? J'ai rien. J'ai juste l'épée et tout. Et du bois. C'est pas possible. Il y a beaucoup d'eau autour de nous en fait. C'est pour ça que je me dis, est-ce qu'on va voir sous la grotte les gens? J'ai envie de faire comme une maman et de faire un truc. Ils avaient prep un coffre avant le début. Ben tu leur retires tout ce qui on va empêcher de build. Quoi, ils ont le droit ça? Quand la game n'a pas commencé. Ok, ils ont build un truc avant que la game commence, mais c'est des malades. Putain, mais et surtout, c'est fou. Enfin, outre le fait que ce soit des malades, tout va bien. Mais c'est surtout le fait, jouez pas votre vie, tout va bien. C'est un jeu Minecraft, c'est un stream. Non, mais rien... tu connais pas l'inquiétude, toi. Pour une fois, avez... tu sors pour un jeu, frérot. Vous avez rien à prouver. Vous avez combien de milliards d'abonnés? Voilà quoi. Tout va bien. Moins 300 points, il va leur retirer 300 points à la fin. Seulement 300 points quand ils font 6000, moi je veux 10% de leur score final. Ça c'est bien okay, dégueulasse, 10% du score final. Je suis dans la montagne, je sais pas trop ce qu'on peut foutre dans cette montagne. Elle est alors, très belle, déjà, prends tout ce qui est apparent. Tout ce qui est apparent dans la montagne du Nord. Je sais pas si, pourquoi t'es rentré dedans, mais déjà rien qu'à l'apparence. Voilà. Juste tout ce qui est apparent, là où il y a du fer. Enfin, ok, attends, regarde, je vais juste mettre un coffre là. Donc on va pouvoir se faire des petites pioches. Super, moi j'ai une pioche et j'ai pas de cobble. Donc il faut que je tape Ouais moi aussi il m'en faudrait. De la pierre, il faut 3 pierres. Ok, je vais te choper la cobble puis je vais te faire une pioche, d'accord? Ça bouge pas. T'inquiète, je peux le faire aussi. J'ai quand même l'impression. Alors je sais que la comparaison va être dégueulasse, mais comprenez-moi, on a tous eu une maman qui fait ça. J'ai l'impression d'être une. Ou on en a vu une. J'ai l'impression d'être une maman, tu sais, qui lèche un mouchoir pour essuyer la joue pleine de chocolat de son fils. Tu sais, le cette espèce de réflexe comme ça. Quand je te vois partir sans pioche. Quand je te vois partir sans pioche comme ça, voilà une pioche en pierre. Mais maintenant arrête sûr, tu regardes, je vais m'en faire une deuxième. Est-ce qu'on doit aller en dessous? Est-ce qu'on n'est pas en train de se faire J-bait et on va baser notre farm? Non, regarde, viens, suis-moi. Et regarde, regarde tout cet aspect de la montagne en fait. On peut même trouver du fer à bord de la montagne. Vas-y. Par contre, tu as raison qu'on devrait et on pourrait se faire du stuff en fer. Donc tu as peut-être raison. Est-ce qu'il faut aller dessous la montagne ou c'est une idée de merde d'aller sous la montagne? Il y a du charbon, j'en sais rien du tout. Couche 11 l'émeraude. Non mais arrêtez, vous êtes en train de nous alors, nous brain ou pas? Couche 11 émeraude, je sais pas, mais en couche 11 diamant, ça c'est sûr, il y a pas de souci pour ça. Donc du coup, ce que dans les profondeurs, tu auras plus de chances de trouver du fer. Ah parfait. On verra pour la sentence pour One Kill, on verra. La sentence, c'est que tu leur fais un trophée, puis c'est marrant. Cool. C'est, enfin, comment dire, si pour eux c'est tellement important de gagner. J'avoue, je sais pas ce qu'ils veulent prouver, mais ils ont vraiment envie. Alors, par contre, j'ai trouvé un endroit qui est super sympa pour la base. Merde, attends, j'ai perdu. Non, j'ai chopé un peu de charbon, j'ai 22 charbon, c'est pas mal. Il y a plein de montagnes autour de nous. Okay. Qu'on fait, les gens? Rentre à la base. 1 à 30 émeraudes en dessous pour des montagnes. Alors. Rentre à la base, fais-moi confiance. Rentre à la base, je vais donner des pioches en pierre, des pioches en fer, du merdier. Parce qu'on a plein de fer qu'on a gagné grâce au prix. et on s'en prend du retard, Bob. Non, tout va bien. Quand bien même ce serait le cas, écoute, tant pis. Est-ce qu'on creuse dans la montagne ou sous la montagne? Sous la montagne. Dis-moi, les gens. Et je vais même te dire où est-ce qu'on va faire ça. Alors attends, tac. Je suis en train de revenir à la base, Bob, mais c'est vraiment loin. Chaque aller-retour, on perd beaucoup de temps, quoi. Je sais, ma biche, panique pas. Pour rentrer, quand on sera full stuff, on fera un tunnel et on ressortira à 1 mètre de la base du tunnel, ok? Ça va prendre encore plus de temps, mais oui. Non, les émeraudes, c'est que les biomes falaises épiques. Et là, à mon avis, vous y êtes pas. On n'y est pas, ouais. On n'y est pas, c'est sûr. Ok, du coup, j'ai claqué toutes nos réserves de fer. J'ai mis 60 points d'investissement dedans. C'est pas grave, mais du coup, on a des pioches. Donc, dans le coffre de la base, il y a des pioches en fer. Ok, on en prend chacun là. T'en prends qu'une. J'en ai pris une déjà. Donc tout va bien. Ok. Et du coup, regarde, tu vois, je vais laisser des un peu de charbon, tu vois, au cas où aussi, comme excellent, ça, on repart pas de zéro. Tout à fait. Et n'oublie pas de faire des torches avant de partir, c'est important. Ouais. Voilà. Souviens-toi que les torches, ça se craft masse. C'est 4x4. Voilà, j'en ai 48. Voilà, très bien. Et donc avec ça, déjà, on est pas mal. J'ai du gravier, ce qui va servir de planque. Très très bien. Ok. Personne. Il y a personne dans les bases d'en face, donc ils sont en train de. Bon, je me fais juste des torches. Pas de panique. Pars au nord, vers la grande montagne, et tu vas voir. Sur la droite, ok, comprends ce que je dis. T'étais prêt? Ouais. Sur la droite du vagin de la grande montagne, il y a un petit trou. Dans ce petit trou, c'est là qu'on va creuser. C'est là qu'on va creuser pour trouver le minerai.
Ok. Ok, je te suis. C'est facile à repérer. Okay, tu vas vers où là? Il y a des pierres blanches. Vers la grande montagne Vaginus. On va l'appeler comme ça, par sinon. Je te vois plus. Mais c'est pourtant, normal. Je suis en train de venir. Tu vas vers la grande montagne Vaginus, tu paniques pas. Ouais. Alors, on était juste avant, quoi. Voilà, il y a un trou sur la droite de de l'entrée du vagin, tu vois. Et c'est toi? Et c'est moi. Merci. Voilà. Ok. Il y a un trou, je vois que dalle, mec. Je suis là. Demi-tour. Reviens. Non, avant la montagne. Avant d'entrer dans la montagne. Ok, je te vois, vas-y, j'arrive. Ok, vas-y, let's go. Allez, bah, retourne-toi. C'est facile à repérer, pourquoi? Regarde, il y a des pierres blanches là sur le mur. Sur le mur de la montagne. Ok, on smash the bell. Vas-y, go, okay. On avance. Du coup, pour être efficace pour le farming, on va faire le décalage qu'on a dit et qu'on faisait auparavant. Je sais pas si tu te souviens. Donc, vas-y, continue. Ok, donc là, tu l'as fait pour moi et tu vas le faire de ton côté. Exactement. Merde. C'est bon, c'est réglé. Problème réglé. Ah, la flotte. J'espère que t'as des torches. C'est pas grave. Ouais, t'inquiète, j'en ai. Donc là, je descends, je fais un escalier. Ouais, ce coup-ci, je la ferme mais pas. Mais pourquoi on se dirige pas vers sous la montagne au cas où ce que les gens disent c'est vrai, tu vois? C'est un peu con ce qu'on fait, gros. C'est vrai. Écoute, bah parce que c'était plus mieux planqué, mais écoute, si tu le penses, faisons ça. Du coup, attends. Je pense que c'est mieux, mec. Voilà, là, regarde. Viens là. Où est-ce que t'es? T'inquiète, je suis à côté. Ah, d'accord, t'as planqué en plus, d'accord. Ouais, j'ai planqué. Ouais. Eh ben écoute, continue allons, comme ça. Allons vers le dessous de la montagne. Restons séparés comme ça, tu vois. Vas-y. Plus de terrain. T'as raison. Hop, voilà. Alors, par contre, il me faudrait une pelle parce que sinon ça va être le. Oublie pas, si tu vires la terre à la main, ça va plus vite que si tu allais à la pioche. T'inquiète, je suis déjà à la pierre, moi, pas toi. J'ai encore un peu de bouse. Non, c'est bon. Bon, là, on est bien. On fait un bon début. J'espère juste qu'on va tomber. On va à couche 11, ok? Ouais, entre 12 et 5, hein. Donc idéalement couche 8, c'est le plus, c'est ce qui nous donne le plus de chances de tomber, après on n'a pas Link dans l'équipe, donc évidemment. On n'a pas le pro, hein, le PGM, hein. Le PGM. Putain, ils ont été incroyables, ok, j'ai déjà du fer, c'est bon pour toi. Félicitations. Alors le fer vaut rien, le fer vaut mieux être utilisé en ressources, si tu veux. C'est du fer ou de l'or, les gens, c'est du fer, ça. Oui, c'est du fer. Par acquis de conscience, utilise toujours la pioche en fer. Si jamais t'as un doute. Est-ce qu'on bifurque vers la gauche ou pas? Non, on va continuer dans ce sens-là, on bifurquera un peu. Parce que vers la gauche, on arrive sous la montagne, tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais la montagne, elle est encore un peu devant nous, si tu veux, on a un peu de la marge. Ok. C'est quand même une petite centaine de mètres, c'est pas rien. Là, les gens, tranquille, on est à 52, on a le temps. Oh mec, il y a une... Oh, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce que t'as trouvé? Ah, attends, je te rejoins. Oh, c'est le paradis, Bob. J'ai trouvé le paradis, Bob. J'essaie de te rejoindre, mais je te trouve. Fais gaffe, hein, y a du vide, hein, tu vas mourir. Hein. Fais gaffe. T'es où? Une faille, c'est une faille, attends, gros. Attends, est-ce que t'es accroupi? Parce que je te vois pas. Ouais, je suis accroupi. Attends, regarde, Bob, viens voir. Viens voir. Seconde. Attends, bouge pas. Voilà, vas-y, viens voir, Bob. Bob, c'est fou. Oh, y'a shit. Oh. Alors dans ce cas-là, on panique pas et tu sais ce qu'on va faire? On va faire des escaliers et on va. Est-ce que t'as du bois? Parce que là, on va faire des échelles, si tu veux. J'ai tu peux faire ça. J'ai plus de bois, Bob. Quoi que non, c'est pas bête. Reviens vers moi. Il faut faire vite. Ne tombe pas. Vous en faites pas. Déjà, tombe pas. Saute dans l'eau. Attends, peut-être je peux sauter dans l'eau, mec. Non, mais après pour remonter, s'il y a des strums, tu fais comment? Tu vas être baisé. Ça va être compliqué. Ça va être long. Ça va être chiant. Ça va être douloureux. Donc. Je suis en bas, Bob. Et toi, t'es où? Putain. 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 T'es où, Bob? Putain de personnage de cartoon, je vous jure. Des minerais de charbon. Putain. Parfois t'as l'impression. Ah non, mais parfois t'as l'impression de jouer avec Bugs Bunny, c'est chaud. Ok, très bien. C'est pas grave. Y'a du fer là. Et là t'es là, ça, Bob, t'es où? Qu'est-ce que tu fais? Je fais un escalier. Le Bob il fait un escalier. Maman travaille. Embête pas maman. Continue à mine, okay. À crafter. Ok, ouais. Je check s'il y a des minerais cool. Ok, donc ça c'est une faille, les gens. C'est ça que vous appelez faille depuis tout à l'heure? Ah oui, c'est une faille. Clairement, c'est une crevasse. Hein, ça déconne zéro. L'avantage des crevasses, c'est qu'effectivement toutes les ressources sont assez apparentes et assez facilement repérables à l'infini, si tu veux. Ok, ouais, je vois. Oh là, il y en a partout, Bob. Bob, on est les rois. Alors, dans cette j'ai game. Mis maint et moult torches afin de ne pas perdre le la maison. Pourquoi de je mets autant de temps à... Ah, sous l'eau, tu mines beaucoup plus lentement, c'est ça? C'est ça. Ok, je te laisse faire... Je suis en train de farmer. Je te laisse faire notre moyen pour remonter en haut, ok? Je suis déjà en train de virer la flotte, en fait.
Je suis en train de me noyer là, mais. Attends, vas-y, je vais virer la flotte aussi, c'est archi chiant. Je vais virer la flotte. Voilà. Alors, tu vas sans doute. Voilà, exactement comme j'ai fait. Faire rendre la situation pire. C'est bon, je l'ai dégagé. Oh, Bob, on est les rois du monde, Bob. C'est royal ce qui nous arrive. Squeezie, merde, écoute Bob un peu, mais je l'écoute. Qu'est-ce non, que j'ai t'ai pas écouté, Bob. Mais il m'écoute, ouais, non, il respecte et tout, c'est juste que. Juste qu'il est plein d'énergie, laissez-le vivre. Là du coup c'est bon, j'ai pu purifier le truc. Alors fais-moi plaisir, lorsque tu mets des torches, écoute-moi bien, ça par contre c'est important. Lorsque tu mets je des les torches, mets du même côté, un truc comme mais ça. Mais toujours à ta droite, voilà, réfléchis pas. Ok. Même si le mur est loin, tu les mets à ta droite. Comme ça t'as qu'à suivre les torches à gauche pour rentrer à la maison. Comme ça tu te perds pas. Oh mais mec, y'a des filons de fer, mais Bob, mais t'as jamais vu ça. Alors le problème c'est que le fer ça ne vaut que 10 points. Donc il nous faut 100 de fer pour ouais, faire 1000 points. Ouais mais y'en a tellement, donc ça nous fait quand même beaucoup de points d'un coup. Ça vaut rien du tout, il nous faut 100 de fer pour faire un diamant ça vaut 30 fer. Ah bah non, un diamant ça vaut 15 fer. Ouais, un diamant ça vaut 15 fer. On va essayer d'en trouver, ne soyons pas pessimistes. C'est pas grave, ne chions pas sur le fer pour autant. C'est vrai. Donc tu vas de ce côté, du coup je vais de l'autre côté. Je du coup non, là on est couche, reste ensemble. On est on reste 36 ensemble au cas de Strum. Toujours les monstres, c'est dangereux. Okay. Surtout en fait ici, ce qui serait chiant serait les squelettes. Parce qu'il y aurait mais des squelettes sur les balcons. Les filons, si ils sont énormes, c'est un truc de ouf. Ah bah, c'est les failles. Et surtout ah ouais, ça va nous faciliter parce qu'en plus elle a l'air d'être fermée cette faille. Donc j'ai l'impression que elle est fermée. C'est une faille qui est fermée. On a eu une chance inouïe. Dans le sens où on a trouvé une faille fermée, ce qui fait que du coup on n'aura pas de problème de... Non, je crois pas qu'elle est fermée, je crois qu'elle est ouverte d'un côté. Vu la lumière qu'il y a là-bas, je pense qu'elle est ouverte. Ah, ouais. Bah écoute, oui, mais ouais, quand bien même elle serait ouverte, bonne chance pour que les mecs nous rejoignent dedans, si tu veux. Ouais, bah de toute façon, ils sont tous loin d'ici en vrai, hein, donc je vois pas pourquoi. Je m'enfonce un petit peu, voir ce qu'il y a. Vas-y, je te suis, hein. Je suis derrière toi. Ok, il y a du fer, c'est gratuit. C'est tout. C'est gratuit. On a pris à peu près tout ce qu'il y avait à prendre vers ici. À peu près tout ce que je vois, ouais. Dans ce cas-là, on va au plus profond, là où il y a l'eau qui est bien en cube, si tu veux, là. Voilà. Ouais, attends, j'arrive. Seconde. Voilà. Ok, c'est bon. T'es à combien de fer, du coup? Bonne question, j'en suis à... Je suis à 54, moi. 14. Effectivement, ça fait que beaucoup de points, hein, 54 de fer. Bah oui, c'est pour ça, c'est pas négligeable. Ben, je t'invite, alors, regarde, je vais te donner la mission extrêmement stressante. Voici mes 14 minerais de fer. Ouais. Rentre à la base, pose-les. Mais d'abord, donne-moi ta pioche en fer. Ok, vas-y, je te laisse avancer, Bob, je reviens. Je t'aime. J'oublie ce que je viens de dire. Eh ben, tu sais quoi, non. Je. Attends, quoique. J'ai abandonné. Ouais, c'est bon, j'ai abandonné les pioches en fer. Tu peux nous TP. Vas-y, si j'ai tu tout veux. Mis par terre. J'ai tout mis par terre. T'es prêt? Vas-y, TP-nous si tu veux, y'a pas de soucis, ma biche. Ok. J'y vais, y'a personne. J'y vais, ils réfléchissent. Y'a personne pour l'instant. J'ai. Ok, personne ne joue le coffre. Protège-moi, mets des flèches, protège-moi. Y'a personne. Et pourquoi t'as pris le personne côté personne est venu, personne est venu. Pourquoi personne t'as pris le côté jaune pour rentrer à la base? J'ai pas vu. Personne est venu, on est trop chat, Bob. T'es vraiment daltonien en fait. Oui, personne est venu, tout va bien. Donc j'imagine qu'ils ont là trouvé là, sans doute vachement plus. Putain, c'est notre game, Bob. Quel non, plaisir. Non, je pense pas. Je deux diamants, 9 lingots d'or et du fer. Allez, let's go, on enchaîne, ça Bob. Vaut, retour ça vaut pas, là-bas. Ça vaut pas grand-chose, ne panique pas. Très bien. Alors attends, il faut absolument qu'on retourne à la base, par contre, vite, histoire de... Pas à la base, mais dans la mine, vite. Ouais, go dans la mine rapidement parce que ça va disparaître, go. On trace, a 5 minutes, tout va bien, mais voilà, on devrait pouvoir la retrouver. Tu te on est sur une bonne game pour le moment, le fer va disparaître, mais non, il va pas disparaître les gens, c'est 5 minutes. Ça met 5 minutes à disparaître. 5 minutes. À mon époque c'était 3, mais tout va bien. Est-ce que t'as désactivé le saut automatique ou pas toi? Moi je supporte pas, ouais. J'y arrive pas. Ah si, je l'ai. Ah tu l'as, putain. Moi j'y arrive pas parce que ça m'empêche de bunny hopper et de fuir bien en fait. Si j'ai réussi mon zigzag tout à l'heure, c'est parce qu'il y avait pas le saut automatique en fait. Il faut retrouver l'entrée. C'est bon, tu l'as là? Je suis là, moi. Je te laisse fermer derrière. Putain, ça va éteindre toutes les. Non, tout va bien. Si tu les as mis sur le cube du dessus, ça devrait se passer. Ah, tu les as pas faut mis. Faut y retourner vite là. Je te laisse prendre ton. Allez, l'eau, c'est chiant là. Ah ben, elle va mettre son temps. Allez. Ok, on y est. Ok, on descend, je vois le loot, on a rien perdu, Bob. Alors on attention, est au top. J'ai mis des flèches, enfin j'ai mis des torches normalement pour indiquer. Bah c'est bon, l'eau peut te servir à descendre aussi, très bien. Et donc là. Ok, Bob, tiens, je te rends ta pioche et je vais te confier le minerai parce que t'es meilleur que moi, tiens. Excellent, merci, t'as tout récupéré. Ok, on va par où? Ok, très bien, on va par où? Eh ben justement, on est donc dans le truc, nous sommes à 36, donc il faut qu'on descende d'une vingtaine de cubes. Et regarde, on a un escalier, un ascenseur orbital qui est juste là, qui est très bien. Vas-y. Ouais, bah... Est-ce que j'ai le droit de manger en même temps ou pas là? Vite fait.
Oui, oui, vas-y, y'a pas de problème. C'est compliqué, hein, la vie, hein. Je suis détendu, si tu veux, y'a pas de problème. Je suis désolé, les gens, j'ai pris un fast-food, hein, mais là, j'ai pas le choix. Putain, on a eu de la chatte et tout, là. Franchement, les as sont un peu alignés pour nous, là, dans cette game. T'as pas bouffé avant? Non, j'ai pas bouffé avant, j'ai pas eu le temps. J'ai eu de la veine, sans même que je le demande. Y'a ma femme qui m'a fait un bouillon, si tu veux, j'étais là, oh, refais. Magnifique. Refais. Ça, ah merde, regarde, c'est de la pierre qui tombe, c'est relou ça. Regarde. Alors non, c'est du gravier. Ce qu'il nous faut, c'est une pelle. Mm. Et la pelle, ça bouffe le gravier à une vitesse absolument obscène. Bois d'acajou. Ok, d'accord, c'est très bien. C'est de la... Mais putain, non, attends. Merde, j'ai pas fait exprès. Merci les gens pour le bonheur, merci. Je voulais pas faire ça, j'ai fait une erreur. C'est pas grave. C'est sans importance. Hop, faut vraiment aller vite là, il reste 40 minutes, go. Je panique pas. J'adore te stresser. J'y travaille, putain. Ok, très bien, j'ai une pelle. Ok, au contraire, c'est très bien le gravier. Tu sais pourquoi? Parce que ça se vide très très vite et ça révèle des tas de murs en fait. Des murs dans lesquels peuvent se trouver éventuellement du minerai. Ouais. Je te suis. Là, j'ai récupéré du silex. Hey. Mais attends, mais on va trop galérer. Il y a beaucoup trop de gravier là. C'est chiant, non? Tu veux pas qu'on parte ailleurs dans la cave? Au contraire. Prends une pelle. Ok, je vais m'en faire une. Avec de la pierre. Maintenant. T'inquiète. Ça révèle des murs vachement plus vite que ce que tu pourrais miner en vrai, donc tu peux tomber sur des filons beaucoup plus rapidement. Après, c'est de la chance, bien sûr, toujours. Hein. Mais... Encore et toujours, évidemment. Ah, mais attends, t'as tout fait là quasiment. Mets le torche sous le gravier, mon Bobby. Putain, c'est vrai, j'avais oublié ça. J'avais oublié ça, la technique de la torche sous le gravier. Oh, bon, bah, c'est pas grave. Ouais, j'ai tout fait quasiment et il n'y avait pas grand chose. J'ai récupéré du silex, cependant, c'est cool. Mais ça ne changera rien, ça nous permet de faire des briquets, mais bon. Bah. Ok, maintenant qu'on a fait ça, on continue de piocher vers le bas. Ouais, bah on continue de piocher vanille, hein, c'est pour ça. Okay. Est-ce que tu peux nous faire une pioche en pierre? Moi j'en ai presque plus, les presque pétées. Tiens, je t'en envoie une et je vais m'en faire une, tiens. C'est pour toi. Fort aimable. Ah bah du fer. Hop. Je t'en prie. Comme quoi qu'on en parle. Encore du fer, putain, mais on a plus qu'à trouver des diamants et on sera au top là. On n'a plus qu'à trouver des émeraudes, des rubis, des diamants et tout ce que tu veux, hein. Ce serait véné aussi, mais bon. On peut pas. Je nous ai fait deux pioches en pierre de plus au cas où on en ait besoin à un moment donné, ok? Ok, vendu. Allez, let's go. Attends, regarde, je vais me décaler vers la droite, comme tu m'as appris. Ah oui, de deux. De deux, ouais. Et comme ça peut nous être utile, ok? Ouais, parfait. Et là, déjà, en plus... Bah regarde, je viens de tomber sur du fer. Bon. Direct, frérot, on est bien, là. On est bien. Direct, on perd pas alors, temps. On est à 26, bon, donc on est à une dizaine de marches, à peine. Donc, n'hésite pas à utiliser ta pioche en fer pour aller plus vite. Carrément. Ok. Parce que la pioche en fer, tu t'en sers juste pour miner, genre du diamant ou des choses comme ça. Donc, tu peux la mettre mid-life, en la cassant sur des cailloux. De manière safe. Ok. Toujours en mettant les pioches, les torches à droite, bien sûr. C'est quoi ça, les gens? C'est quoi ça? Oh! Bah, c'est une émeraude! Et félicitations! Ah, par contre, ça commence à devenir gros, là. Une petite émeraude, on dit pas non! On dit pas non! Là, par contre, il va falloir rentrer à la base. Hein. Oh, mec, on est tombé dessus et j'ai eu de la chatte parce que je me suis foiré en fait, j'ai oublié de descendre. Et du coup, je suis tombé sur une émeraude. Oh, et moi, je suis tombé sur du lapis-lazuli. On va pouvoir enchanter. Oh putain, mais mec, c'est cette map de folle, quoi. Cette map, elle est incroyable, mec. Pas beaucoup. C'est notre map. Ouais, j'avoue, c'est notre map. Hein. Mais bon, après, on va finir en troisième place comme des cheleux. On aura rien compris, si tu veux. Ne hein. Parle pas de malheur, Bob. Ah non, mais j'essaie d'être réaliste. Sois pas réaliste, mon gars. Tout va bien. Putain, quand t'as la bouche pleine comme ça, on dirait que tu vapes avec l'effet de ton micro, c'est chaud. Je suis désolé. J'ai du charbon devant moi, c'est un peu de la merde, hein, on va pas se mentir. Écoute, on va pas se plaindre. Mais en fait, honnêtement, okay, oser utiliser... On devrait faire que des pioches en fer, hein, sincèrement. Pardon, j'ai explosé de l'intérieur. Ah, pardon, j'ai cru que t'étais tombé sur un truc de fou. Et moi j'étais là, putain, là j'étais hypé là, tu vois, j'ai été déçu. Ah non, ouais, non, j'ai juste éternué, je suis désolé gros. Pas dû, par pas contre, dû. Est-ce que j'aurais dû miner autour de l'émeraude alors, ou... Contre, ah, attends, oui, sans doute, hein, cherche aux alentours. Par contre là, ça y est, moi je suis à 9 ou 8, donc c'est pas très gênant, mais...